Bonsoir à tous. Allez, on commence le petit live. Sans pression. On commence ce petit live. Questions-réponses. Et concerne aussi l'acquisition des euh, 6000 membres sur le groupe ARMP ainsi que les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer un truc rapide comme Fabrice sait le faire. Je vois pourquoi je ne pourrais pas le faire. Hein. Je vais essayer de liver -er en même temps sur sur euh, YouTube sur Facebook. Allez bonsoir à tous, merci de me rejoindre, salut salut. J'espère que vous allez bien. On va faire un bon petit live ce soir, questions réponses. Comment à mettre des petits pouces bleus Ça fait toujours plaisir. Bonsoir à tous, salut Alain. J'espère que vous allez bien pour ce petit live du jeudi soir. Alors je vais tenter, hein. je vous garantis rien, mais je vais voir si ça peut passer. Comme ça on va essayer de ramener un max de monde sur la chaîne YouTube. Je vois que le petit Fabrice Hortin est toujours en live. Le profilux est très très bien Jérémy. J'ai vu ton message, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Suivant on pourra en parler plus longuement. Mais euh, le Profilux c'est très très bien. Juste un petit, peu, un petit peu fastidieux à paramétrer pour la première fois, mais après c'est très bien. C'est très, très pratique. Donc ce soir, on va, faire, on va faire un petit live, donc questions-réponses. Je ferai gagner en live des petits cadeaux qui nous sont offerts par certains partenaires. Donc euh, voilà, ça va être plutôt cool. Hein. Pour on les 34, tant que ça monte un peu. On va voir si ça passe aussi sur, euh, sur Facebook. Alors bonsoir à tous, dites-moi si le son va bien du côté YouTube, du côté Facebook, si tout va bien serait parfait oh, il y a un peu de monde ce soir c'est cool c'est cool cool allez Alors, tu devrais. Ah, tu devais être couché. Hmm. Bah ouais, désolé. Hein. Salut Julien, ça va ou quoi, Julien Julien Véry, tu vas bien Je sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais je vais trouver. Hein. Les animaux de... J'ai pas vu. Alors, je vais voir si ça marche. Tac. Salut Guillaume, Vincenzo, salut. Non, Profilux, très très bien. Profilux, très très bien. Euh... En plus, tu as, as une multitude de choses à faire dessus. Sur le profilux, tu peux, tu peux paramétrer tellement de choses, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Salut Aurélie, salut Cédric. Ouais, petit micro. Ça marche bien avec le micro. Ça marche bien. Alors, fait que je gagne un anticiano du coup. Ah bah Julien Véry, on va voir tout ça. Peut-être que tu vas gagner, Julien. Donc, on est d'un côté sur Facebook, d'un côté sur YouTube. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook, je vous invite à nous rejoindre sur YouTube. Parce que là, je vais faire le live sur YouTube. Donc, on vous attend sur la chaîne YouTube RMP. Et on va faire gagner des cadeaux en live. Donc, avec nos, nos partenaires. Donc, il y a un mois, qui va être, un, un mois de coaching qui va être offert par Monsieur Récif Captif. Donc, si vous avez un lancement de bac à faire, si vous avez des maintenances à prévoir, vous allez pouvoir tout faire via. Euh, via le coaching et donc euh, on va avoir des packs euh, d'AFBIO, donc un, un kit anti un kit de redémarrage, un kit de réensemencement euh, il va y avoir un, un petit embout Red Sea offert par euh, Rive Dépôt pour euh, diffu diffuser l'eau de votre sortie donc ça va être plutôt cool. Donc à tous ceux qui sont sur facebook je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne youtube parce que euh, on va faire gagner tous les cadeaux sur la chaîne youtube donc voilà, donc on a pas mal de petits partenaires ce soir qui vont vous offrir quelques petits cadeaux. Donc on va voir hein, pendant la soirée. Je dis pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a, a pas de jeu concours, et, euh, ça tombera quand j'aurai envie de le faire tomber à n'importe quelle personne pendant le live. Il n'y a pas de... Y a, y a, donc il y a pas de hasard, il a pas de... C'est comme ça. Donc pendant le live, voilà. Je compte sur vous sur YouTube pour mettre les petits pouces bleus. Et comme ça, il n'y a pas de parti pris. Donc tous ceux qui sont sur Facebook, hein, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. C'est là que tout va se passer. Dans à peu près 5-10 minutes, je vais couper le live Facebook et tout se fera sur la chaîne YouTube RMP. Ouais, je suis raccord. On s'est calé avec Fabrice. Il termine, je commence. Ça c'est cool. Donc euh, Fabrice au top, hein, toujours. Merci à Fabrice. Donc je voulais commencer pour vous parler d'un petit sujet que Fabrice a abordé. Sur le groupe RMP. donc au même titre que, parce que certaines personnes nous ont encore accusé une nouvelle fois de les copier, or, nous avons, euh, le, en mai 2018, créé euh, une, une espèce d'échange entre parrain et filleul. Alors, je m'explique. Quand je dis parrain-filleul, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y avait un parrain, donc un ex, un, entre guillemets un expert, une personne qui est censée être calée en récifal, qui pouvait choisir un filleul, ou le filleul choisit son parrain, ce qui permettait en fait d'accompagner une personne. Lors de son projet récifal. Donc ça, j'avais commencé à faire ça suite au poste d'un membre à RMP, et je lui avais dit voilà, il donc on avait créé ça. Donc c'était le, le parrain-filleul. Et aujourd'hui, une application s'est ouverte sur Facebook qui s'appelle le Mentorat. Alors le Mentorat, c'est quoi Le Mentorat, c'est une application au sein du groupe à RMP qui permet à des confirmés de renseigner des novices. C'est-à-dire que déjà sur la plateforme à RMP, sur le, le groupe à RMP. Vous, vous, tout en haut du, du groupe vous avez un petit, un petit icône mentorat et euh, le mentorat en fait vous permettra de choisir soit un, soit soit vous proposer en tant que confirmé ou soit vous pourrez trouver un mentor qui vous permettra d'évoluer dans votre euh, dans votre projet récifal donc euh, donc voilà donc on va faire on va faire ça et je pense que ça, ça peut être pas mal donc euh, ça, ça va, être, ça va être lancé. Ça, ça c'est déjà lancé. Il y a déjà pas mal de mentors. Hein. Je crois qu'il y a une quinzaine de mentors qui sont déjà là. Et euh, il y a pas mal, il, y a, il y a des confirmés qui, enfin, des, 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 des apprentis récifalistes qui commencent à s'y mettre. Alors d'un côté, je vois Hortin. Sur la chaîne YouTube, je vois ouf, trop de monde. Eh, eh, vous croyez être débarrassé de moi <laughs> Eh ben non. <laughs> eh ben non. Nous avons Monsieur Hortin qui est toujours là. À tous ceux qui me détestent sont encore là, jamais vous vous débarrasserez de moi. <laughs> Bon, allez, bah, là, pas expliquer, expliquer, le mentorat. Alors, alors j'explique rapidement. Je réexplique rapidement le mentorat. Donc le mentorat, c'est le principe d'avoir sur la, la, chaîne, la, la chaîne, le groupe RMP. Tout en haut, vous avez un petit icône, une application liée à Facebook, qui s'appelle le mentorat. Le mentorat, c'est quoi C'est le principe euh, que des personnes confirmées se proposent donc, en tant que mentor, comme je, comme je disais tout à l'heure, en mentor qui sont là pour aider les apprentis récifalistes à progresser dans leur projet. Donc, ça, c'est en place depuis une bonne semaine sur RMP. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette petite application qui est en haut. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver votre mentor. Et le mentor vous permettra de euh, vous faire évoluer dans votre projet récifal. Il est toujours mieux d'avoir une personne référente plutôt qu'avoir 25 conseils. C'est toujours si vous faites ça, vous êtes toujours dans le mur. Donc, au moins, si vous avez la possibilité d'avoir une personne référente, eh bien vous allez avancer dans votre projet récifal. Et ça, c'est important de le faire. Salut Vincent. Donc, euh, donc, voilà. Alors, maintenant, quand je vous ai un peu parlé du, du projet euh, Mentorat, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est tout simple, c'est gratuit, c'est une aide gratuite. Euh, moi, j'ai déjà, je m'occupe déjà de deux personnes euh, au sein du projet Mentorat. Euh, je sais qu'Alex occupe aussi d'une personne. Enfin voilà, le but c'est d'accroître cette communauté récifale, d'accroître l'entraide entre membres. Et euh, ça, c'est vraiment un truc sympa parce que euh, vous avez la possibilité. Je sais qu'Hervé l'a fait, Hervé, euh, monsieur récif captif, l'a fait la semaine dernière. Il a passé une heure et demie en visio avec un novice pour expliquer, lui, lui expliquer les choses et tout ça. Donc, donc ça, c'est très intéressant. Et ça, on l'a mis en place depuis longtemps. Et là, on l'a juste un peu. Euh, approfondi. Donc c'est ce qu'on appelle le projet Mentora sur le groupe RMP. Donc maintenant, je vais à présent pour tous les amis de Facebook, couper le live Facebook et tout va se passer sur la chaîne YouTube parce que les cadeaux vont commencer à tomber. Donc tous ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. À tout de suite. Nous voici sur YouTube. Allez, donc euh, nous amis YouTube, voilà, maintenant il n'y a que YouTube, il n'y a plus du tout Facebook. Et donc, à tout moment de la soirée, peut tomber des cadeaux. Donc, offerts ce soir par le site rivedepot.be. A savoir que nous avons un code promo régulier chez monsieur euh, RiveDepot. Si vous avez besoin de matos, moi je sais que j'ai acheté mes pompes de brassage à bas, j'ai acheté, euh, acheté les dernières euh, MP40 Quiet Drive. Je les ai achetés chez lui, livraison super rapide, avec un petit bond. Euh, chez lui, on a une, une remise de 6,5% avec le code, le code promo à Passion06. Avec le code Passion06, vous avez 6,5% sur tous les produits euh, de la, euh, du site Dépôt. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ce soir, nous avons aussi, en partenariat pour ce petit live, le site d'Avbio, le site d'Avbio représenté par Benoît. Et DafBio nous fait un code promo jusqu'à dimanche soir avec 10% de remise sur tout le site. 10% de remise sur tout le site. Si votre commande fait moins de 50 euros, vous avez une fiole de, de votre choix euh, offerte, donc euh, de 60 ml, 60 ml offert pour n'importe quelle commande de moins de 50 euros avec 10% en plus. Et euh, il, faut, il vous suffira juste au moment où vous, où vous allez voir, vous, vous choisir le mode de livraison. Tout en bas, vous avez une petite partie commentaire. Vous mettez ARMP dans la petite partie commentaire. Et là, vous allez avoir directement, euh, donc, non seulement euh, 60 ML offerts, mais donc, avec le code promo, notez-le bien, le code promo, ARMP10, ARMP10, vous avez 10% de remise sur tous les produits d'Avbio. On en reparlera tout à l'heure, si vous le voulez. Donc, ce soir, Monsieur d'Avbio nous offre un kit de réensemencement de microphone et nous offre euh, un kit euh, anti-ciano. Et donc, ça, voilà, ça sera pendant la soirée. Ça peut tomber n'importe quel moment. Voilà, vous êtes sage, vous êtes gentil avec moi, je ne sais pas. Hop, ça peut tomber direct. Bim Pas d'avertissement, ça tombe direct. Euh, nous avons aussi ce soir en partenaire, donc, Monsieur Récit Captif, qui offrira un mois entier de coaching. Hop, offert par Monsieur Récit Captif, un mois de coaching. Donc, euh, ça c'est offert direct. Pareil, ça peut tomber à n'importe quel moment de la soirée. Ça tombe. Et Rive Depot qui nous offre. Alors, ça s'appelle Le V. Alors, je vais vous redire ça. Le nom exact. Parce que moi, je ne l'ai pas en tête. Hein, je suis un peu. Euh... Merci. Euh, je ne l'ai pas en tête. Hein, alors, je vais vous dire le nom exact. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça, je vais, vous, je vais vous le dire. Euh, ça s'appelle le VCA. Donc le VCA. Euh, je vais vous montrer l'image rapidement. Le VCA, c'est ça. Donc c'est ce qui permet de, à votre sortie de, pour les backretsies. Donc euh, et là directement vous allez avoir ça. Ça coûte 55 euros. Donc c'est pour les sorties de hein, les sorties de les sorties voilà. Et ça, ça sera gagné ce soir aussi. Alors, je vais me connecter sur le live via mon petit euh, ma petite tablette. Voilà, c'est ça, c'est le VC orientable exactement. Donc ça c'est cool. Allez, il est là le live comme ça, je vais pouvoir Hop, parfait. Allez, c'est parti. Là, je vois tout bien. Donc euh, vous avez aussi Alex ce soir qui me donne un petit coup de main pour tout ce qui est administration euh, du, live, du live YouTube. Donc, euh, donc voilà. Alors que penses-tu des bacs avec une bonne profondeur style 80 Alors euh, un bac style 80 ça peut, ça peut être sympa mais attention à la maintenance. Parce que moi déjà j'ai un bac qui fait 70 de profondeur. Et avec 70 de profondeur, mon ami, je galère déjà pour aller tout en bas. Quand tu as une bouture qui tombe par terre, quand tu as une maintenance à faire dans le sable, ou quand tu dois siphonner euh, ou, ou faire une maintenance en bas du bac, ça devient compliqué. Tu vas devoir euh, directement. Euh, tu vas devoir directement. Euh, ah, compliqué. Alextos, Alextos, Alex Tos, je t'offre euh, un kit de réensemencement. Alex Alextos, Alex Alextos, oh, C'est gentil, hein Alex. TOS TOTOS KID DEV BIO C'est gagné pour Alex Ah ouais On m'achète, c'est la vie Alors euh, Ouais faut des pinces J'ai une pince, mais euh, la pince c'est pas C'est pas toujours, euh, tu vois pas facile quoi alors, attention, VCA. Ouais, il faut avoir des bras longs, c'est pas facile. Hein. Attention, c'est pas facile. C'est pas facile parce que. Euh, parce que. Euh, attention, hein. les, les pins, c'est bien. Merci, Calage, pour ton super chat. Clash. Est-ce que tu as Clash un nouveau bac Est-ce que tu as un projet récifal Clash Dis-moi ton projet récifal Clash. Oui mais c'est tellement plus beau. Alors, ah, tu, mais tu parles de profondeur ou tu parles de... Attends. Si tu parles de profondeur ou si tu parles de. Euh, enfin, comment je pourrais te dire Est-ce que tu parles de hauteur ou tu parles de profondeur Si c'est en profondeur, ça va parce que ça te permettra de laisser un décor, un, un espace de décor derrière. Donc tu pouvais avoir un bon brassage. Ça peut être pas mal 80. Si c'est plutôt en hauteur, c'est là que ça devient compliqué. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. C est, c est, si c'est en profondeur, ça va. Ça va. Largeur, largeur, ça veut dire ouais largeur, bah, je pense que largeur normalement 80, il n'y a pas de souci. Normalement 80, il n'y a pas de soucis. C'est ah, vrai que quand tu me dis 80, j'aurais dû faire plus. Moi je conseille toujours aux personnes qui sortent dans le récifal. 80 c'est un petit volume. Déjà, non seulement c'est compliqué à maintenir les paramètres. Deuxième point, c'est compliqué à euh, attention à la chaleur. Parce que dès que tu as un peu de chaleur, euh, tu vois, c'est compliqué. Euh, alors que quand tu prends un bac qui fait environ 300 litres euh, et que tu commences à avoir des coraux durs, eh ben, tu vas avoir moins de, de, de moins de... Moins de chances d'avoir de problèmes dans ta maintenance parce que même si tu as une dérive au niveau de la chaleur, ça va être beaucoup plus loin à monter. Si tu as une dérive au niveau de tes paramètres, que ce soit par exemple euh, euh, ton calcium ou KH, ça, ça, ça va toujours être plus loin à descendre. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas prendre un trop petit volume. Ça paraît, ça paraît plus simple, mais ce n'est pas du tout beaucoup plus simple. C'est vraiment presque plus compliqué. Les LED route, je n'en mets quasiment pas. Les LED rouges, elles sont quasiment éteintes. Moi, je les mets très très faiblement. Euh, quasiment rien. Franchement, quasiment rien. Alors, Julien, j'ai vu live avec Guillaume. Il parle de Royal Nature anti euh, Tu as déjà utilisé Arnaud car il faut que je fasse quelque chose. Je suis blindé de ça. Alors, je vais parler de deux choses. Euh, alors, Guillaume m'en a parlé. Il a testé. Apparemment, ça marche très bien. Euh, moi, pour ce qui est de la ciano, alors il y en a voilà, moi j'ai eu une fois de la cyano, une grosse attaque de cyano au tout début. Et, euh, et bah malheureusement, euh, j'ai eu, euh, eu une grosse attaque de cyano, mais vraiment grosse. Hein, et j'ai fait le, le kit anti-cyano de chez DAF Et ben, plus rien, plus rien. Alors attention, encore une fois, avant de traiter, il faut. Merci Guy pour ton super chat. Merci infiniment. Guy, je vais t'offrir un cadeau, Guy je vais t'offrir, guy, je vais t'offrir, je vais t'offrir, je vais t'offrir un mois de coaching avec monsieur récif captif. si tu es d'accord, tu me dis oui. guy. Euh, donc, après, voilà. Euh, euh, moi, j'ai eu, eu, euh, eu ça. donc, euh, écoute. ma foi, euh, j'ai pas, pas eu de... Euh, j'ai pas eu de, de problème avec, euh, avec le protocole d'Avbio. Il a très très bien marché chez moi. Il a, il a tué la cyano en moins d'une semaine et j'ai jamais eu d'autres euh, attaques de cyano par la suite. Donc, écoute, tu peux euh, avoir deux hypothèses. Essaye celui que tu as fait euh, notre ami, euh, notre ami euh, Guillaume avec Royal Nature et essaye euh, aussi peut-être le kit d'Avbio. Je te laisse le choix. Te laisse ce soir merci Andrea pour son super chat merci à guy merci à tous pour les super chats c'est cool Andrea Andrea je vais t'offrir un cadeau personnalisé Andrea je vais t'offrir c'est tu sais ce que je vais t'offrir Andrea je vais t'offrir un coaching pendant tout ton début parce que je crois que tu démarrages un bac Andrea je vais t'offrir un coaching personnalisé Andrea. Je crois que tu m'as déjà euh, contacté en privé. Hein. Non mais tu verras, euh, Clash. De euh, bah, toute façon, après, moi, je, on, on peut en parler dix ans hein, de, de, de date bio, mais ça ne me pose pas de problème. Mais moi, comme je dis tout le temps, je suis quelqu'un de factuel. Je suis factuel. Hier, j'ai montré une vidéo de... Ça fait 21 jours que... Alors je vais vous expliquer un peu le, le, le truc. Il y a 21 jours enfin euh, il y a 21 jours je te raconte des conneries fin, euh, fin décembre j'ai eu un, une, arrêt, un, une coupure électrique dans mon bac coupure électrique et euh, donc j'ai perdu 50% de mes poissons j'ai perdu énormément de coraux j'ai perdu plein de choses et, euh, et j'ai été un peu emmerdé parce que j'ai aussi perdu une bonne partie de ma microphone donc j'ai recommandé un kit de réensemencement de microphone donc par Benoît chez Davio et je me suis dit bon ben voilà bon, moi genre, à savoir que par récurrence, je le fais toujours une fois tous les, euh, tous les six mois, un an. Comme j'avais fait la vidéo, je fais toujours tous les, tous les six mois, un an. Et donc, je me suis dit, je vais, là, comme j'ai eu un gros clash, c'était bien, bien de refaire un petit peu de microphone. Donc, j ai, j ai, je fais un kit de resemencement. il y a 21 jours exactement. J'avais plus de microphone du tout. Hein. Moi, mon détecteur, c'est que dans ma descente, en bas, j'ai un petit peu de sédiment. Ils adorent se mettre là-dedans, les microphones. Donc, ça grouille, ça grouille, ça grouille. Sauf que là, j'avais plus rien. Et donc, je me suis dit, hop, petit kit de relancement. Et hier, vous pouvez le retrouver sur le groupe ARMP, j'ai posté une petite vidéo. Donc à 21 jours après le, après le protocole. Et là, bah, on voyait bien le, 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 le lancement se faire. On voyait bien le... Donc ça, ça commençait à être cool. Et donc, euh, bah, voilà quoi. Et, et, et c'est bien reparti. Donc, j'ai partagé ça, cette petite vidéo hier, toute simple. Et ben, c'était cool. Ça, ça m'a fait plaisir. Ah, Roxane, bravo, merci, Roxane, pour ton super chat. Merci, Aurélie, pour ton super chat. C'est cool, Roxane, si tu as eu ton. Euh, si, si, si vous avez eu votre bac, c'est cool. Roxane, si tu as besoin de, de bactéries, tu viens me revoir. Hein, j'en ai encore à la maison. Si vous voulez des bactéries euh, d'Avbio, j'en ai à la maison. Et Roxane, elle habite à côté de chez moi. Ils sont venus à la maison. Donc, euh, avec plaisir, hein, tu reviens. Hein. Merci pour ton super chat. Merci, Aurélie. Aurélie, est-ce que tu as Aurélie euh, un... Qu'est-ce que tu as comme aquarium Aurélie Aurélie Cédric. Alors, je ne sais pas si c'est Aurélie ou c'est Cédric, je ne sais pas. Félicitations pour ton bac en tout cas, c'est cool. Et je voulais aussi, je voulais vraiment remercier. Je voulais vraiment tous vous remercier. Parce que avant tout, avant tout je faisais ce petit live pour ça. On a atteint les 6000 membres sur le groupe ARMP. Donc c'est grâce à vous. Vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les modérateurs, tous les administrateurs, tous les professionnels qui nous font confiance, avec qui on partage, avec qui on fait plein de choses. C'est grâce à un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui RMP est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire un des plus gros réseaux français récifal. Donc aujourd'hui RMP, c'est quoi C'est plus de 6000 membres sur le groupe RMP, c'est plus de 3000 abonnés sur la chaîne YouTube et sur son groupe Vente et Échange, à peu près 2500 membres. Donc, ça fait quand même une sacrée communauté. Donc, on essaye de se bouger à chaque fois pour vous donner le meilleur. On essaye de, de, de trouver des choses à faire avec vous. On va continuer à, à proposer des lives, à proposer des tutos, à proposer des vidéos avec des professionnels. Je vous annonce aussi, encore une fois, on va faire un très gros live avec, euh, avec notre ami euh, Hortin, monsieur Fabrice Hortin, pour ne pas le nommer, et monsieur Marine Home. On fera un, un duo de live. Donc, ça sera les deux ensemble. Marine Home et euh, All Marine, les deux en live, je ne serai pas là, ils seront tous les deux en live et ils vont partager sur notre, euh, partager sur notre passion commune, le récifal. Et à mon avis, ça va être un grand moment, ça. Un gros partage, que ce soit euh, les deux ensemble. En plus, c'est deux personnes que je kiffe vraiment. Et là, il y a vraiment des choses à attendre de ce live qui, à mon avis, sera une pure boucherie. Franchement, à mon avis, il euh, y a du très très lourd à venir là-dessus et euh, ça va être super cool quoi. Donc donc voilà, ça va être euh, ça va être sympa à mon avis ça ça envoie du lourd quoi. 14 cinquante Attends. Merci Christian Cadette pour son super chat, ça me fait super plaisir. Tu déchires. Merci beaucoup. Vous êtes généreux ce soir, merci beaucoup. Wow. Merci à tous, hein. franchement je suis, je suis presque. Euh... <laughs> Mais En tout cas, c'est grâce à vous tous. Hein. Si, on, si on en arrive là aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. Parce que on, alors on a des détracteurs. Bon ben bah, c'est pas grave. Il, il y en aura toujours, c'est pas grave. Mais en tout cas, euh, on est un des groupes les plus euh, comme ça. Hein on est, on est costaud, euh, on est une belle petite famille récifaliste. Et euh, bah grand bien leur face, hein, s'ils nous aiment pas aujourd'hui, je pense qu'on a plus grand chose à prouver. Euh, 6000 membres. Voilà, et pas, ça n'a pas, pas, pas fini de monter, on va faire encore plein de choses et euh, c'est que le début. On n'oublie pas que ARNP n'a que un an et demi, ARNP n'a que un an et demi et donc... Euh, alors euh, Rija, Rija, je suis à Montpellier au mois d'août et donc euh, j'ai vu qu'il y avait un petit magasin là-bas et euh, je pense aller montrer ma petite tronche là-bas. Donc euh, j'ai vu qu'il y en avait un, je vais, moi je ne vais pas être loin de, de Castelnau donc euh, je vais aller montrer ma gueule un peu euh, vers Montpellier. Donc, euh, donc voilà. Si, si on, d'ailleurs, on pourra peut-être faire une petite rencontre. Moi, hein. bon, je suis en vacances, hein. tranquille, je suis avec ma femme, ma fille. Je n'ai pas non plus passé mes vacances à parler récifal, mais euh, on peut se faire un petit truc, une petite rencontre récifaliste rapide là-bas. J'ai vu qu'il y avait un petit magasin. Alors vous, vous savez peut-être mieux que moi où il est. Hein. J'ai vu, je crois que c'était à Clapier ou un truc comme ça. Euh, Dites-moi en commentaire hein, si vous savez où est ce magasin à Montpellier. J'aimerais bien y faire un petit tour. Et euh, voilà, hein. comme ça on verra ensemble ça pourrait être cool. Donc voilà, je voudrais savoir tout de suite maintenant qui a de la cyano Qui a de la cyano dans son bac Qui a de la cyano dans son bac Vous mettez cyano en commentaire tout de suite. Cyano, 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 cyano et on va tirer au sort. Allez, cyano dans le bac. Non, c'est pas moi. Ciano dans mon bac. Vous mettez ça. Ouh, ça, ça tue. Aujourd'hui, il y a du monde. Pensez au pouce bleu, les amis. Pensez au pouce bleu. Ah, voilà. Ciano, ciano, ciano. Wow. Non, ça, c'est une maladie du récifaliste. La ciano. La ciano. Bah ouais, La ciano, c'est complexe, quoi. C'est chiant, mais avant tout, la Ciano, c'est un dérèglement. Euh, salut, Sony Mésial. Merci beaucoup pour ton, ton... Mésali. Sony Mésali, merci infiniment pour ton super chat. T'es très, très généreux. Merci beaucoup. C'est fou, n'empêche. C'est vraiment un truc qui est compliqué, ça. Hein. <laughs> c'est le club des cyanos. Bienvenue sur RMP, le groupe sponsorisé par la cyano Rouge. Bienvenue à tous dans cette magnifique dans cette magnifique petite euh, algue rouge qui sans doute n'est pas si mauvaise que ça, vous savez. C'est un truc de ouf. Bon ok. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont de la cyano quoi. Alors je vais prendre quelqu'un au hasard. Qui vais-je prendre pour te, ce petit, euh, hein, ce petit euh, problème de cyano Qui 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 alors ce soir, je vais dire, je vais dire, je vais dire... Qui C'est tout Tout le monde a mis qui avait de la ciano là Est-ce que tout le monde a mis qui avait de la ciano Ah ouais, non, mais la ciano-bactérie, c'est une belle merde. ça, C'est tombé. Non, mais ça, je suis d'accord, Guy. Même les bacs parfaits, non, ça, je suis d'accord. Il suffit d'un léger, léger déséquilibre entre nitrate et phosphate, il suffit d'un mauvais brassage et bim, cyano. Hein, donc, euh, donc, bon. Alors, offre, offre, ARMP par Julien Verry qui est modérateur du groupe très, gros, gr très grosse offre et grande générosité. Julien Verry vous offre de la bouture de cyano. C'est offert et il offre les frais de port. Ça lui fait plaisir. C'est ça hein C'est ça Julien. Alors, 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 qui 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 qui, qui. Alors on demande le prix, Julien. C'est est offert, c'est offert, c'est offert. Le club de la Ciano. Alors, qui va choisir J en plus, je, je vais prendre quelqu'un que je ne connais absolument pas. Comme ça, on ne pourra pas dire que je fais encore de la triche et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Salut François, ça va François l'Americanos de Neoquarium. Très bon magasin si vous allez vers Nice. Neoquarium. Qui représente aussi la marque Elos en France et aux états unis il me semble néoquarium donc euh... alors je sais que pour la ciano tu peux il y a un animal il y a des petits gobies qui la picorent, mais en général c'est peu efficace c'est peu efficace euh... alors aujourd'hui pour pour être galant parce que pour être galant je vais offrir le pack anti-ciano à alizé guino Alizé Guino, Alizé, Alizé, Guino, Alizé Guino, Paxiano. Bravo Alizé. Donc Alizé, euh, tu me contactes en message privé. Vous, euh, donc vous me contactez sur Facebook. Hein, euh, vous me contactez en message Facebook. Vous me mettez votre adresse, tout ça, tout ça. Hein. Donc euh, voilà. Tu me contactes en message privé, Alizé. Tu me donneras ton adresse, tout ça. Et je te ferai. Enfin, je te ferai. Par l'intermédiaire de. Euh, par l'intermédiaire de, de Benoît, je, je t'enverrai le kit anti -ciano. À A savoir, je le répète, que jusqu'à dimanche soir, vous avez 10% de remise euh, sur tout le site d'Avio. Et en plus, si vous dépassez 50 euros, vous avez deux fioles de 60 ml offertes. Deux fioles de votre choix. Vous dites juste vous venez de la part d'ARMP dans la partie commentaire au niveau de, euh, au niveau, au moment où vous choisissez le mode de livraison. Vous avez une petite partie commentaire en dessous. Et là, vous, vous mettez ARMP et vous aurez, par exemple, si vous dépassez 50 euros, deux fioles de 60 ml offertes par la marque d'Avio et grâce à ARMP. Et vous mettez le code promo. Au moment de votre paiement, vous mettez le code promo. ARMP 10. ARMP 10, et vous aurez 10% offert directement euh, dans, votre, euh, dans votre panier. Donc 10% offert, plus, si vous dépassez 50 euros, deux bouteilles de 60 ml offert. Voilà. Donc ça, vous le savez maintenant. On en reparlera si vous voulez pendant la soirée. Merci infiniment, Philippe, pour ton super chat. Ça me fait plaisir. Tu déchires, Philippe. En fait, ce que je devrais arriver à faire, c'est mettre un, un gyrophare. Quand il y a un super chat, c'est ce, ce que nous disent de faire euh, YouTube. Quand vous avez un super chat, mettez un gyrophare. Mais j'ai pas de gyrophare. C'est bien Christian, tu, tu, tu me diras hein, ce que tu en penses. Mais moi, moi, en tout cas, pour ce qui est du... On peut, on peut me raconter la littérature, hein, on peut me dire, oui, Dave Bio, Dave Bio. moi, je suis quelqu'un de factuel. Factuel, ça veut dire quoi La preuve par l'image. Je vous ai montré par l'image. Après, chacun raconte ce qu'il veut. J'aimerais bien montrer dans le nord, mais vous savez, les amis, j'aimerais bien faire plein de choses. Je dois aller chez euh, Recifat Home, je dois aller chez Marine Home. Marine Home, j'ai vraiment envie d'aller chez Marine Home. J'ai envie d'aller chez... Euh, on, on, on me contacte pour aller dans plein de magasins, mais j'ai pas le temps, les amis. J'ai un travail, j'ai une femme, j'ai un enfant. Je fais ce que je peux. Je, quand j'ai un peu de temps, je fais des lives. C'est pas toujours euh, facile. Donc, euh, on tout à l'heure, j'ai Boris de Recifat Home qui m'a appelé, il m'a dit, viens, ça serait bien qu'on fasse une rencontre récifale. Hein. Et j'ai pas le temps. Donc, euh, je vais essayer de passer, il faut absolument que je prenne le temps. C'est vraiment deux magasins que j'ai envie de connaître, que ce soit Recifat Home et Marine Home, surtout Marine Home. Marine Home, c'est mon pote. Comme dirait Tanguy, c'est mon bro. <laughs> Tanguy, il dirait, c'est mon bro. Dédicace à Tanguy aussi, qui me donne pas mal de conseils pour YouTube. Une grosse dédicace à mon pote Tanguy de la chaîne Toupette, qui me fait évoluer aussi au fur et à mesure. C'est un mec comme ça, lui. Il est, aussi au, 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 il est aussi au top dans la vie que sur ses vidéos. Si vous avez une chaîne à voir, si vous aimez bien un peu le monde, le monde animalier, que ce soit des crevettes, des, euh, des... Il a fait une vidéo sur les grenouilles, sur les euh, des souris, les chiens, les chats, allez vous abonner sur la chaîne Toupette. Franchement, il est top le mec. C'est un mec en or, il est super gentil en plus. Donc euh, voilà. Après, euh... Après, voilà ouais Marine Home, c'est vraiment un mec bien quoi. Franchement, c'est un mec bien. C'est vraiment un mec que j'apprécie énormément. Donc voilà. Hein. Donc ce soir, ce qu'il nous reste à gagner, qu'est-ce qu'il nous reste à gagner les amis Il nous reste pour ceux qui ont des Redsi, il nous restera le diffuseur euh, V, euh, je sais pas quoi là, comment ça s'appelle déjà, le diffuseur VCA diffuseur VCA d'une valeur de 55 euros offert par Rive Dépôt Rive Dépôt je vous rappelle qu'on a un bon de remise de 6,5% sur tout le... toute sa boutique avec le code promo PASSION06 avec le code promo PASSION06 vous avez 6,5% sur toute sa boutique si vous avez du matos à acheter si vous avez du truc qui coûte un peu cher n'hésitez pas vous allez sur rivedepot.be et là vous mettez votre petit code promo BIM 6,5% de remise on a aussi, euh... enfin là je suis en train de préparer plein de trucs, j'ai plein de partenariats en cours, là ça va être top. Donc c'est un VCA orientable, je vais le noter parce que je ne m'en souviens jamais. Orientable. Un VCA orientable à gagner. On va le faire gagner un peu plus tard celui-ci, on va attendre un peu. Hein. Enfin quoi que, ça peut tomber n'importe quel moment. Alors. Quelle quantité de pierre et provenance, tu préconises pour mon effort 450 s'il te plaît, tu peux me répondre. Alors, euh... Alors en ce moment, les pierres, c'est un peu compliqué. Pourquoi Parce que je te dirais que la meilleure des pierres, c'est la pierre indonésienne. Vu qu'elle est en ce moment, il n'y en a pas. Deuxième solution, c'est de la pierre australienne. La pierre australienne est très très bien, mais un peu chère. Enfin, plutôt chère. Parce que euh... ça coûte... Euh... Je crois que c'est de l'ordre de 25 à 30 balles des fois le kilo. Donc compliqué. Donc en ce moment, euh, il n'est pas bon de démarrer un bac récifal, quoi. Il serait peut-être mieux d'attendre un petit peu le, le retour de, de l'Indonésie, parce qu'aujourd'hui, je pense que <coughs> soit as des ronds et tu prends Australie, mais surtout pas de pierre de Méditerranée, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, pas de pierre de Méditerranée, parce que la Méditerranée n'est pas un environnement tropical. Nous on fait euh, de l'aquarium récifal. Le récifal c'est les tropiques. C'est les Caraïbes. C'est une eau à 25-30 degrés tout au long de l'année. Ce n'est pas une eau qui descend à 10 degrés. Donc, pas de pierre de Méditerranée, s'il vous plaît. Mettez voilà, de, la, de la vraie pierre. Si après, vous êtes patient, vous pouvez passer par de l'aquaroche, vous faites un kit de réensemencement, papam, hop, ça peut pas. C'est plus long. C'est plus long. À savoir que les pierres, les pierres, euh, les pierres euh, vivantes sont le poumon de votre bac. C'est ça qui va vous permettre d'avoir... Euh, des bons résultats sur du long terme. Donc, euh, c'est super important. Hein c'est super important les pierres. Donc, attention, faites vraiment un. C'est super important ça. Alors, aux USA, ils font des bacs sans roche vivante. Et ils ont de très beaux bacs. En France, Aquaroche peut en être. Peut-être un bon substitut. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas le choix en ce moment. En ce moment, M. Akorosh, il doit être content. Il hein. n'y a pas trop d'alternatives. Hein. Euh, à part de, de se faire importer des pierres australiennes. Euh, si, alors après, il va y avoir aussi tout ce qui est, euh, vous savez, les espèces de pierres macro rock, euh, euh, tout ce qui est un peu euh, les, 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 les tiges de tonga. Mais bon, ça après ça demande aussi un, un ensemencement précis. Hein. Donc. Euh... Allez, on va faire une petite pause. Pouce bleu. Pousse, pouce, 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 pouce bleu. 53, 54. Allez, lâchez-moi un petit... Un petit bleu pouce. Acroporoc, je... Oui, rock apparemment, c'est pas mal aussi. Après, tout est une question de... Vous voyez, c'est... En fait, je pense que... Tout peut être bien. Oui, effectivement, comme dit François, vous pouvez prendre les... Euh, les Acroporoques, les aquaroches, comme dit François, vous mettez un petit kit de démarrage d'avbio, et après ça roule. Hein. Moi, j'avais contacté justement parce que j'ai fait une vidéo d'avbio pour présenter un peu mon kit de réensemencement que j'avais fait, et j'avais justement, avant de le citer, j'avais contacté, euh, contacté, Aquaroche pour lui demander si il avait déjà eu des retours, euh, et euh, j'avais essayé de, enfin j'avais, j'avais contacté et euh, il m'avait dit euh, non mais moi j'ai pas de soucis, hein, euh, j'ai pas de souci avec euh, Davio ça marche plutôt bien j'ai eu des bons retours sur mes, euh, mes aquaroches donc euh, tu peux tu, tu peux me citer il n'y a pas de soucis. Donc, euh, donc voilà donc, y a, franchement là-dessus euh, apparemment ça marche plutôt bien. Donc Alors Julien est en fout l'aquaroche. Après, il y a d'excellents résultats. Hein. Il y en a plein qui ont d'excellents résultats avec de l'aquaroche. Hein. Il y a des, des bacs magnifiques. Après, les plus, les moins. On va parler un peu on peut en parler un petit peu. Hein. Les plus, les moins. Euh, tu vas avoir les plus c'est que bah, les plus de la pierre vivante, c'est que c'est un voilà, c'est plein de microphones, c'est plein de, de vie avec le côté négatif des indésirables, mais euh, tu vas avoir euh, plein de côtés bénéfiques et pervivantes. Le côté euh, bien de l'Aquaroche, c'est que tu, as, tu es sûr de ne pas avoir de, 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 de nuisibles avec tes pierres. C'est plus long à mettre en place. Ton bac est un peu standardisé dans le sens où tu as des, euh, tu as des piliers, tu mets tes petites croches, ça reste un peu du, hein, entre guillemets ce qu'on appelle du « plug and play ». Donc, tu vas avoir un bac un peu standardisé. Maintenant, à toi d'avoir un petit peu d'imagination et de pouvoir faire un côté, euh, un côté euh, décor que les autres n'ont pas. Après, effectivement, comme disait Julien, la porosité, en tout cas en ce qui concerne le pilier, est beaucoup moins, euh, euh, est beaucoup moins poreux qu'une pervivante classique d'Australie ou d'Indonésie. Mais euh, ça peut être aisément comblé par tous des petits supports qu'on met, des petites roches. Je n'ai pas le nom en tête, euh, François, tu dois peut-être le savoir, toi, le nom des petites roches qui se mettent euh, en, fin, sur les plateaux. J'ai pas le nom en tête. Mais, euh, mais effectivement, c'est des choses qui. Euh, c'est deux alternatives qui sont complètement différentes. Mais euh, les Eco-Reef Plates. Voilà, merci Julien. Putain, heureusement que tu es là, Julien. Euh, les Eco-Reef les, les Eco Plates, ce qui permet en fait de faire votre décor. Et euh, en, en les mettant, en fait, vous avez, un, vous, a, vous avez un petit décor. Clac, 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 clac. Bon, c'est standardisé. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui a le même pilier et vous mettez les mêmes choses dedans, bah forcément, vous allez avoir un bac euh, standard. Maintenant, vous n'avez pas le côté un peu euh, je fais mon décor avec des tiges carbone, euh, je fais mon décor comme j'ai envie avec mes perviantes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Donc, comme il n'y a pas le choix, faites comme vous avez envie. Non mais ça m'étonne pas qu'il déchire aux USA. Hein. Enfin, je pense qu'il marche aussi très bien en France. Hein. C'est mieux de la pierre morte, de la pierre morte. Ici, de la pierre morte indonésienne et que tu la semences, c'est mieux, moins... Après, j'ai pas envie de dire c'est mieux, c'est moins bien. J'ai envie de dire que c'est différent. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Parce que encore une fois, il y a des bacs qui sont magnifiques en aquaroche il y a des bacs qui sont magnifiques en pierre morte il y a des bacs qui sont magnifiques en pierre vivante. Donc, c'est tout une question de, de projet de la façon dont on a envie de voir son projet. Et donc, de la façon dont on veut le réaliser, il y, y, y a plein de choses. Il ne faut pas retenir que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est nul, ça c'est pas nul. Tout est une question de, de bien faire les choses, de prendre son temps de bien faire les choses. Et donc, forcément, on arrive à un bon résultat quand on a la patience. La patience, la patience, c'est le moteur. Et c'est surtout le, 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 la garantie d'avoir un bac récifal qui dure dans le temps. La patience. La patience. Si vous avez la patience, vous avez tout dans le récifal. On ne peut pas arriver à se dire clac, j'ai un magnifique bac. Ça ne se passe pas comme ça. De la patience, un cycle qui tient la route, une bonne maintenance, des paramètres stables et réguliers sur du long terme. Et hop, voilà. Et, le, et comme dit Andrea, le compte bancaire. Parce qu'effectivement, euh, le récifal, ça coûte des ronds. N'oubliez pas que ce n'est pas donné le récifal. Vous achetez un corail, vous achetez un poisson, vous achetez du matos. Comme, comme j'ai déjà dit, regardez la vidéo que j'ai faite sur le matos. Attention, le matos, choisissez-le bien. Ne prenez pas de la merde, vous allez perdre de l'argent. Ne prenez pas de la merde. Si vous prenez du matériel de mauvaise qualité, vous allez le changer souvent, vous allez perdre de l'argent. Attention à ça. Il ne faut pas l'oublier. Pour moi, les bacs en ne sont pas réalistes, la pierre vivante et le décor. Comme un comme, euh, oui comme le fond marin. Hein, mais je suis, après, c'est un choix. Chacun fera son avis. Il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça, ça, après, c'est un autre débat. Mais ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Après, euh, comment le on aime, on n'aime pas, ça c'est après, c'est un autre débat. Bah ok Guy. Tu t'es sûr de toi, Guy Tu veux pas Comme tu veux. Alors, il euh, y a confirme-moi Guy et puis il euh, n'y a pas de souci. Alors, acheter de la pierre vivante par correspondance n'est pas un souci euh, tout, tout dépend de la façon dont le, dont le professionnel va l'expédier du conditionnement du... mais bon c'est quand même je pense à mon sens hein, c'est un petit peu moins risqué que des coraux parce que ça peut euh, ça peut se maintenir sur une euh, ça peut se maintenir sur un sans eau euh, un corail que tu laisses trop longtemps sans eau dans le froid euh, ça claque une pierre vivante c'est ça un peu plus de facilité à voyager je pense donc je pense que tu peux l'acheter sans problème attention au prix des, des frais de port hein. attention au prix des frais de port mais euh, tu peux euh, facilement l'acheter en attention à qui t'achète attention à ce que t'achète sois sûr du professionnel qui t'envoie pas de la pierre de Méditerranée alors qu'il te la vend pour de l'indonésienne attention pas mal d'escroquerie là-dedans on oh, le marine c'est mon pote marine tu peux commander les yeux fermés là-bas, valeur sûre. Alors, vous maintenez votre décor avec quoi euh, est -tu, tu peux... Enfin, euh, moi, je, comment je le maintiens Moi, j'ai fait des, des jets percés, tiges carbone. Vous, tu, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, je, re, je refais mon décor et vous allez voir tout, tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a, a tout sorti du bac, on a tout percé, on a collé avec euh, du, du, du ciment prompt, on a refait le décor et tout. C'est une vidéo qu'on a faite, vous pouvez le voir sans problème. Tige carbone, c'est sûr. Le, le mieux, c'est les petites flèches de. Vous savez, les flèches de tir à l'arc. Ça, c'est top. C'est top ça. Alors pour commander Show Marine, tu contactes Fabrice Hortin. Tu contactes Fabrice Hortin en Messenger. Et il va faire ce qu'on appelle un... Un messenger live et tu vas te montrer ce qu'il a et tu choisis dans le magasin avec lui directement ouais c'est sa, sa flèche de tir à l'arc exactement question alors moi je alors pour répondre à la question de jean michel euh, le réensemencement je l'ai fait environ tous les euh, en fait encore une fois moi je j'ai un petit indicateur c'est ma descente quand je vois que ça grouille de microphone j'ai pas besoin d'en refaire. Je pas. Quand je vois que j'ai presque plus rien, je fais un, un kit de rensemencement au maximum une fois par an. Au minimum, euh, au minimum tous les six mois. Non. Au minimum une fois par an et des fois je fais deux fois par an. Tout dépend de l'état de ma microphone. Moi j'ai deux chéropus, donc euh, ça picore à mort. Hein. Deux mandarins. Hein. Ça picore à mort, donc. Euh... Alors, ciment prompt, tu peux en trouver un peu partout dans les vp hein. euh, tu, tu le trouves, il euh, y a pas mal de marques qui le font. Aquaforest, il euh, euh, y a plein de marques. Hein. Essaye, si possible, de prendre du ciment prompt euh, dit ReefSave, donc qui correspond à l'aquariophilie. Après, euh, Andrea il y en a à Casto. Euh, bon, pff, après, voilà, moi, j'ai pris, pris de la marque, euh, je vous ai cité à l'instant, je perds mes mots, je ne sais plus. Mais euh, effectivement, là on me dit Casto, Casto, le Roi Merlin, le Roi Merlin. Si vous avez des... des, des, des bah, voilà, si vous avez des marques bien, n'hésitez pas à les poster là dans le commentaire de Simon Prompt. Mais euh, est -ce, est -ce, après, je ne connais pas s'il y a des caractéristiques dans le bâtiment à respecter ou pas, je ne sais pas. Alors euh, l'acropora icefire donc c'est un, un acropora qui est assez compliqué il lui faut pas trop de brassage il lui faut pas trop d'éclairage c'est un bac qui se, un, un acro qui se met milieu de bac pas, sans, sans aucun brassage direct et euh, tu le mets euh, euh, de façon à ce qu'il euh, soit brassé mais pas trop tu vois un brassage pas trop constant pas trop direct et une lumière qui c'est vraiment c'est presque un deep hein. Un dip, c'est ce qu'on appelle un, les, les coraux de fond de bac. C'est presque un, un corail de fond de bac. Hein. Donc tu peux le mettre euh, bas voire milieu de bac, pas plus. Et un brassage euh, tranquille. Tranquille. Les, albus, les, albus, les algues bulles en général c'est de la valonia. La valonia elle peut se traiter avec euh, l'eau magnifica, euh, les, ce a, tout ce qui est poisson renard. Tu peux, euh, tu peux combattre la valonia sans problème. L'ovulpinus, exactement. Poisson-renard pour l'Ivalonia. Voilà. Oui, ça prend très, très vite, hein, la Simon. Il faut, faut, faut limite, dans un premier temps, tu fais ton décor. Tu prépares ton décor. Tu, tu poses tes pierres. machin, Une fois que tu as bien fait ton décor dans ta tête, tu essaies de voir les pierres qui pourraient bien s'encastrer. Et après, tu colles ça colle super vite hein. pour lutter contre les planaires tu as, as les petits labres les petits labres à six branches là. les petits labres euh, qui sont euh, verts et orange avec des bandes ça c'est bien pour les planaires maintenant est-ce que ça va t'en débarrasser à 100% compliqué à dire hein. ça dépend de ton ça, ça dépend un peu de ton euh, ton taux de euh, euh, enfin le nombre que tu as dans ton bac hein. c'est comme tout Bah, les crabes mitrax, oui, tu peux les garder parce qu'ils vont se nourrir. Ça, ça reste, euh, entre guillemets, un détritivore. Donc ça va... Euh, un, cra, un, tra, un, un crabe mitrax en général. Euh, voilà, un labre à 7 bandes pour les... Moi euh, oh, j'ai dit 6 bandes, c'est 7 bandes. <laughs> un labre à 7, à 7 bandes pour les... Euh, pour les, euh, les pleinaires. Alors on revient... Euh, Qu'est-ce que je disais Je disais, je disais les mitrax. Donc oui, les mitrax, euh, effectivement, tu vas avoir... Euh, euh, les Mitrax, Une fois, fois qu'ils auront pu à manger euh, de valonia, oui, tu vas, tu vas pouvoir euh, attaquer autre chose. Tu vois, il, il va se nourrir avec euh, les, la nourriture qui va tomber sur les pierres et tout ça. Et d'ailleurs, s'il a trop à manger, il ne va pas attaquer la valonia en premier. Il va, il va d'abord attaquer la bouffe qui va tomber et après, quand il aura faim, il attaquera la, la valonia. Assez ah, compliqué, Andrea, de se dire comment lutter contre les indésirables qu'on arrive avec des pierres. Tu peux déjà dans un premier temps les ausculter. Mais tu vois, moi j'avais une ski j'ai importé une ski avec mes pierres. J'ai gardé, enfin j'ai toujours. Ça fait 4 ans que j'ai mon bac. Ça fait 4 ans que ça fait ans que j'ai ma ski et j'ai jamais réussi à la retirer. Je l'ai vu une seule fois en 4 ans. J'ai essayé de la piquer, j'ai pas réussi. Impossible de la choper. C'est tellement intelligent que j'ai jamais réussi à la choper. Et d'autant plus que quand j'ai refait mon décor entièrement, je me suis dit tiens, je vais ausculter toutes les pierres pour essayer de la trouver pour la sortir. Je l'ai jamais vu euh, attention donc te dire comment éviter les, 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 comment éviter les, les, euh, les, les nuisibles c'est compliqué après nuisible ça veut dire quoi tu vas peut-être avoir un peu de crabes bon les crabes s'ils ont les pinces plates tu les enlèves pas s'ils ont des pinces euh, s'ils ont pas des pinces plates et eh ben tu les retires euh, si tu as des verres de feu c'est pas grave c'est un très bon nutritivore. Euh, si tu as euh, le plus chiant hein, le plus chiant il y a deux choses hein, c'est Eunice j'en ai eu un je sais de quoi je parle Eunice et euh, ski. Voilà. Si as des, si, si, et moi, moi j'ai les deux. J'ai eu les deux. Eunice, attention. Eunice, euh, très, très mauvais. Eunice, hein. moi, j'ai gardé pendant trois ans. Euh, je l'ai vu euh, trois mois. J'ai commencé à le voir un ou deux mois avant de changer mon décor. Attention. Hein. Il faisait un mètre, hein, le Nice. Hein. Un mètre. Donc, euh, attention. Le Nice, euh, ça peut arriver euh, tout petit. Hein. Même, dans un, même dans une pousse de corail, hein, ça peut arriver. Hein. Et après, attention pour le virer. Euh, Bon courage, es obligé de tout démonter le bac. Il hein. n'y a pas le choix, démontage obligatoire. Crabboxer, c'est bien aussi. Les skis, ça fait des dégâts euh, bah quand si tu, si, si, moi, je, je, je sais même pas où elle est dans le bac. Ça, mon problème, c'est que j'arrive même pas à le localiser. Donc, euh, comme j'arrive pas à localiser, euh, mon problème, c'est de me dire. Euh, la choper donc quand elle a je peux pas la nourrir donc si je peux pas la nourrir forcément bah elle va faire quoi elle va taper dans les escargots elle va taper euh, s'il arrive à, à la choper et eh ben ils euh, vont choper 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 des petits poissons elle peut choper euh, des crevettes elle peut ch... bon voilà c'est le jeu bon c'est le jeu ça m'amuse pas hein, mais j'ai pas le choix donc ça euh... y nico donc euh, voilà après que dire que faire pas trop le choix hein. Voilà, comme dit Guy. Comme dit Guy, les, les skis, ça, ça tue les crevettes, les escargots et les poissons. Voilà. C'est le jeu, mais après, c'est la nature. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à ça Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Donc, Guy, est-ce que je remets en jeu le, euh, le coaching Dis-moi. J'ai déjà vu ta réponse tout à l'heure. Alors, je pense quoi des bacs acryliques Alors, les bacs acryliques, pour moi, il n'y a que des défauts. Parce que déjà, euh, enfin, non, il y a une qualité, c'est pas lourd. Donc, euh, mais attention les bacs acryliques parce que ça se raye super facilement, quoi. Tu fais ça, euh, ok, Guy, pas de problème. Et euh, tu, tu fais ça, il est rayé, quoi. Donc, euh, il suffit que tu passes un aimant avec du sable, tu vas rayer ton bac. Euh, et euh, je voyais d'ailleurs, euh, Tanguy, qui avait euh, avec un bac acrylique, il a fait un, un, un petit bac pour. Euh, il a fait un petit bac pour euh, les, ses grenouilles. Il avait une rayure. Il, il avait une rayure dans son bac acrylique. Il s'est dit tiens, je vais le poncer et tout. Il n'a il, il a pas réussi. Hein. Donc c'est assez compliqué de, euh, de pouvoir euh, maintenir sur du long terme un bac acrylique sans rayure. Donc moi je déconseillerais. Franchement, bac acrylique. Après, est-ce que niveau des joints c'est solide Je ne sais pas. J'ai jamais eu de bac acrylique, donc j'aime pas ne pas, pas parler de choses que je ne connais pas. Je n'en ai jamais eu, donc. J'émettrai des réserves surtout euh, par rapport à, à ça. Apparemment, d'après euh, Sylvia, la transparence est, est parfaite. Bon, moi... Euh... Alors Julien, moi j'ai des radios. Radion G3 XR30 Pro. Radion G3 XR30 Pro. 170 watts. Donc je vais poser une petite question. Qui serait intéressé par un coaching Parce que Guy m'a dit qu'il voulait laisser le coaching. Apparemment, il est bien confirmé. Donc il y a... en plus, Guy, je le connais. Alors, Guy est un grand fourvoyeur de vidéos YouTube sur le groupe RMP. Il nous poste toujours des vidéos de ouf. C'est des vidéos des États-Unis. Je kiffe tous les jours. Je regarde mes deux-trois petites vidéos que Guy nous partage. Et il nous partage des trucs top. Et merci encore à toi, Guy, de pouvoir nous faire autant de partages sur la chaîne RMP. Grâce à tout ça, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Et on a, on a un contenu qui, euh, qui sort un peu de ce, ce qu'on peut voir. Donc euh, pour ça, pour tout, pour tout ce que tu fais aussi pour RMP, Guy, je te dis un grand merci. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à... Guy, il est excellent. Ouais, Guy, il est top. Donc il y a beaucoup de gens intéressés par le coaching. Est-ce que vous connaissez Monsieur Récis Captif Donc le coaching sera par Monsieur Récis Captif. Donc c'est un mois de coaching, un mois de coaching proposé par euh, Monsieur Récis Captif, pour ne pas le nommer. Euh, donc voilà, il a des connaissances euh, sympas. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un bon coach. Donc euh, salut Guy. On va voir à qui je l'offre. Ah, Guy il est chaud, Guy il est chaud. <laughs> Guy tout à l'heure, il me dit, non mais les gars, euh, pensez aux vieux, parce que là, il y a un live Marine Home, après il y a le live RMP. Euh, vous pensez pas aux vieux, les gars, j'ai me couché à quelle heure Je dis mais Guy, Guy t'es jeune, Guy Pourquoi tu te dis ça <laughs> Et Guy, tu top. Ouais il est top, il, ouais non mais il, il, il fait des... Moi on est assez complémentaires avec Hervé. On donne des coups de main, il me donne des coups de main, je donne des coups de main. Il est sympa Hervé, franchement. Il est super sympa. Donc vous avez tous dit votre dernier mot là pour le coaching Bah ouais Philippe, t'es en retard, c'est pas bien ça. Euh, la méthode sucre écoute euh, apparemment il y a des bons y a des bons retours sur la méthode sucre hein, c'est pas mal allez je choisis à 22h05 dans deux minutes Servez aquarium je suis mal. Oui parce qu'il pourra faire des visios avec vous. Euh, le coaching c'est tout. Hein. C'est euh, visio, euh, vous montrez votre bac, j'ai ça qui va pas, qu'est-ce que tu en penses euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi Qu'est-ce que tu penses de ci, de ça C'est un vrai coaching quoi pendant un mois. Bon, attention, hein. il est marié, il a des, il a, il a des jumeaux, euh, c'est pas, pas, pas votre esclave. Hein. Euh, c'est pas votre esclave. Hein. Donc euh, tranquille. Mais euh mais voilà. Mais. Il, il m'a dit qu'il offrait un mois de coaching. Dans une minute. C'est quoi la zéolite La zéolite, c'est mé une méthode en fait, qui permet de maintenir les coraux au ras de leur capacité à. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez les appauvrir, les appauvrir, les appauvrir, comme s'ils vont devenir très, 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 très clairs. Et le côté très, très clair, vous compensez uniquement au goutte à goutte avec euh, ce qui leur manque. Et plus ça va être. Euh, c'est très risqué. Il hein. faut vraiment être connaisseur parce que c'est très borderline comme technique. Te plaît je suis pour le coach ta ta ta, ta. amandine ouais, ouais, je sais je sais tout le monde aimerait bien voir le coaching moi j'ai déjà offert un coaching hein, à, à andrea andrea il a, il a mon coaching ça permet de poser des pouces bleus il a raison alex 73 allez à 80 pouces bleus j'annonce 80 pouces bleus j'annonce il en manque 7 On reposera... Renaud, tu me poseras ta question tout à l'heure sur les l'écumeur, pas de souci. Là, là, je fais juste... J'ai je, je juste le cadeau pour... Euh, pour... Euh, le coaching. Allez, je choisis. Alors... Je choisis, je choisis... Vous pouvez y aller, les pouces bleus. C'est hein parce que je choisis que vous ne pouvez pas le faire. Hein. 87, c'est bien. Mais... Alors, qui vais choisir Moi, 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 moi Je veux un vrai débutant. Je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un qui, euh, qui lance son bac, c'est-à-dire qui a déjà le bac, qui a déjà le matos. Je veux quelqu'un qui a déjà le matos et euh, qui lance son bac et qui a besoin de conseils. Voilà. Vous savez quoi Je pose mon doigt sur l'écran et je laisse défiler. Je pose mon doigt sur l'écran et je laisse défiler. Alors, ça va tomber sur qui Mettez-moi les moi, 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 là, tous ceux qui, ont, ceux qui lancent un bac. Vous mettez les moi, 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 moi. Et je laisse mon, mon doigt poser. Alors, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 stop, et le gagnant est Alizé VDK. Alizé VDK de deux Alizés ce soir, c'est pas la même que tout à l'heure. Alizé euh, Guino, Alizé VDK, c'est pas les mêmes. Bah, vous avez de la chance, les filles, franchement. Je te jure, c'est clair, deux à quoi. Franchement, c'est. Coaching. Monsieur Recif. T'as de la chance, Alizée. Vous avez de la chance. Donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez hein, euh, pas à... Tu me contactes à tout à l'heure en message privé. Où tu contactes monsieur Récif Captif, je, je lui dirais que c'est Alizé VDK qui a gagné et euh, je marquerai. Bon, euh, on recommence. J'ai vu des trucs, alors j'ai vu des choses passer. ta. non, j'ai plus. le produit. Euh, putain, faut que je prenne le produit. Ouais, pour les Eptasia, alors euh, ce, ce bout du 13 VR. Alors, moi, je vais vous faire une petite, un petit truc. J'ai fait le, j'ai fait le, parce que moi, j'avais beaucoup de, dans mon bac, j'avais énormément de Cervera. La Cervera, c'est. Euh, c'est comme des petites, des petites fleurs qui poussent partout sur les pierres. J'étais infesté, mais un truc de ouf. Donc ça veut dire que ça n'a pas forcément d'importance au niveau des coraux, de la maintenance et tout ça. Le seul problème, c'est quand vous avez un corail qui commence à nécroser du pied, il commence lui à, à, à monter sur le pied. La servira monte sur le pied. Et, euh, et franchement, euh, super relou. quoi. Et bien, euh, Guillaume, quoi, avant, avant de faire le live, m'avait envoyé une, une bouteille de Royal Nature de chez. Euh, je ne connais pas Eptasia, je ne connais plus exactement le nom. Vous le retrouvez chez Marine Home. Mais. Euh, mais vous mais ça m'a décapé la pierre, un truc de ouf. Elle est redevenue toute blanche. Euh, je, 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 presque ça a enlevé la coralline, quoi. Donc, euh, donc vraiment top. Franchement, vraiment top ce petit, euh, petit truc-là. J'ai testé sur la Cervera. J'avais aussi un petit peu d'Eptasia de, à droite à gauche. Je les ai piqués. Top. Franchement top. Donc euh, vraiment top. Donc il nous restera à gagner ce soir. Le, euh, le VCA orientable de la marque Redsi offert par euh, Rive Dépôt. Donc ça va être gagné euh, pendant, la, pendant la soirée. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des bacs Redsi. Si vous avez des bacs Redsi, mettez Redsi dans les commentaires tout de suite. Et comme ça, on verra s'il y a beaucoup de gens qui ont des bacs Redsi. Et je vous ferai gagner, euh, pas tout de suite, hein, mais bientôt, le pack VCA orientable d'une valeur de 55 euros offert par euh, Rive Dépôt. Il ben, y en a pas mal. Après, je sais pas si j'y connais rien. S'il si y a des connaisseurs, euh, euh, s'il y a des connaisseurs, dites-moi si ça peut s'adapter. Euh, Guy, dis-moi toi si tu, si tu sais. Si, si, si le VCA peut s'adapter sur d'autres bacs que sur le, les Red Je sais pas du tout. Franchement, je ai aucune idée. Alors l'éclairage, tu le choisis par rapport à ton projet euh, tout dépend de ce que tu veux lever comme animaux. Si tu es plutôt mou, plutôt LPS, plutôt SPS, plutôt mixte, LPS plus SPS, ça dépend de, de pas mal de facteurs, euh, l'éclairage, comme le brassage, comme un écumeur, comme tout. Donc euh, effectivement, tu peux. C'est compliqué. C'est vraiment un, un, un cas qu'il faut, euh, qu faut étudier euh, tranquillement. Euh, C'est par rapport à ton ultrage, par rapport à ta profondeur de bac. Ça dépend de plein de choses. Donc à côté de ça, tu, on, je ne peux pas te dire, bah, tu choisis comment, je te, tu choisis comme ça. Non. Ça, ça, ça requiert une certaine expertise de, de ton projet. Y a-t-il une durée de vie pour un éclairage En général, ça se calcule en heure. Donc, euh, comme ça se calcule en heures, si tu veux, tu veux, t as, t as la possibilité de. Euh, de C'est marqué dans, dans leurs conditions générales. Hein. Vous avez, voilà, tel éclairage fait environ tant d'heures. Après, tu divises par le nombre d'heures que tu éclaires par jour. Ça donne à peu près la durée de vie. Moi, je dirais entre 5 et 7 ans. À peu près. Et encore une fois, comme j'ai dit sur une autre vidéo, mieux vaut un peu des fois surdimensionner l'éclairage parce que euh, vous le mettez moins fort. Si vous le mettez moins fort, je, bah, votre éclairage durera plus longtemps. Donc vous en rachèterez une moins, euh, moins rapidement. Important. Très important. Je tiens encore à remercier hein, toutes les personnes qui ont été super généreuses avec moi ce soir sur les super chats. C'est super gentil. Encore merci à tous. Vous déchirez, ça me fait super plaisir. C'est la première fois que j'ai autant de super chats pendant un live et franchement merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment. C'est cool. Merci à la personne qui a mis un petit pouce bleu, dédicace. Un petit pouce vers le bas, dédicace, ça me fait plaisir. On aimait, est aimé, c'est cool. Avec plaisir les amis. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, on y va. Hein. Merci Roxane. Roxane, elle est venue à la maison, c'était cool. On a partagé. Avec, avec, euh, avec son, son mari, ils sont venus tous les deux. On a partagé, c'était sympa, franchement. Moi j'ai toujours plaisir à rencontrer des gens à la maison, on discute, c'est sympa quoi. Vas-y, dis-moi ta question sur l'introduction des poissons. Si c'est sur l'acclimatation, tu verras, j'ai fait une petite vidéo dans la chaîne YouTube. Je ne sais plus où aller, mais ça doit être... Je reçois mes nouveaux poissons et je montre une méthode d'acclimatation. Et d'ailleurs, Fabrice aussi en parle parce que j'ai fait une vidéo avec lui. Pendant cette vidéo, on parle de l'acclimatation des poissons. C'est quoi, non, la petite fleur qui pousse C'est la cervera. La cervera. C'est chiant. Ça. Très compliqué à s'en à défaire. Arnaud, mmh. connais-tu quelqu'un qui voudrait... Euh, adopter mon anémone quadricolore, je suis d'argenteuil. Bah, si quelqu'un veut une, 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 une anémone quadricolore, euh, vous contactez Mika, euh, M-I plus loin, C-K-A, il, il donne une euh, anémone quadricolore. Alpheus, très bonne rampe, Alpheus. Très très bonne rang, Alpheus. Le côté design n'est pas top, mais par contre, euh, très 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 bon. Euh, très très bon, Alpheus. C'est vraiment une. Euh, une bonne marque d'éclairage bah, pour un, un écumeur à euh, ta plein de marques. Hein. tu as Octo qui font des très bons écumeurs, Nios qui font des bons écumeurs. Tu vas avoir euh, après, si tu montes en gamme, tu as Bubble King qui font des très bons écumeurs. Après, au litrage, si tu as 300 litres, tu prends un truc qui en plus tu es en fish only. Tu peux prendre un écumeur qui peut monter jusqu'à euh, au moins 500 litres, comme ça tu es sûr de pas te planter et puis euh, 500-600 litres. Moi, je divise toujours par deux. Hein. Le, 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 le constructeur dit 600, moi, je divise par deux, je dis ça fait 300. Je préfère toujours surdimensionner mon matos, parce que peut-être que demain, tu auras envie de faire un bac plus grand, peut-être que tu auras envie de passer en... avec des coraux SPS ou LPS, donc il faudra que tu plus fort. Donc, toujours surdimensionner un petit peu ton, ton écumeur, et euh, tu verras, il euh, y, y, y a pas mal d'écumeurs sur le marché hein, qui, qui, sont, qui sont corrects. Évite tout ce qui est marque chinoise, moi, je déconseille. Après, bon. Alors, euh, Alizé VDK, les Hydra 66 HD, tu en penses quoi Eh bien je pense que euh, Hydra c'est une très bonne marque. Euh, après, moi je ne les connais pas personnellement, hein, mais euh, c'est des très bonnes marques de, de rampes. Pour moi, c'est juste en dessous des... Euh, c'est juste en dessous des, euh, des radions, enfin des écothèques Donc euh, c'est vraiment des très bonnes rampes. Euh, que ce soit les 26 ou les 52 de mémoire, je crois que c'est 26-52, euh, ça reste des très bonnes rampes. Euh, le seul problème actuellement, c'est qu'on peut pas, ils n'ont pas encore créé les diffuseurs qui vont au-dessus, me semble-t-il. Donc, euh, moi, depuis que j'ai mis les diffuseurs sur les radions, il y a une lumière qui est beaucoup plus diffuse et c'est vraiment sympa. Quoi. Ça donne un côté euh, moins, euh, moins réseau dans le bac et euh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors oui j'ai vu la vidéo sur l'acclimatation, super beau passage, mais mon bac à 3 mois et demi et des bons paramètres mais j'ai peur de me précipiter. C'est simple hein, Luc, tu fais tes tests. Si tu as passé ton pack de nitrite, ton, ton, ton pic de nitrite, et que euh, 3 mois, pour moi tu peux, tu peux mettre deux poissons, il hein, n'y a pas de souci pour moi. Hein. Je vois aucune contre-indication pour que tu puisses commencer à mettre des poissons gentiment. Maintenant, attention. Euh, Renseigne-toi bien avec ton revendeur, ton revendeur pour qu'il te dise quoi prendre en premier. Euh, évite de mettre un, un xanthurum en premier, par exemple, parce que c'est des poissons qui sont assez territoriaux et qui, te permettront de, enfin, qui te, ne te permettront pas après de pouvoir mettre d'autres chirurgiens. Donc c'est des poissons qu'on met à la fin. Donc re renseigne-toi bien sur euh, les différents poissons à mettre en premier et puis plus après par la suite. Mais euh, moi je vois pas de contre-indication pour que tu puisses commencer à mettre des poissons dans ton bac, sans aucun problème. Oui, tu peux commencer, comme dit Julien, par mettre des demoiselles, des antias sans problème. Un, coup, un couple de... Tu peux mettre des codernis, tu peux mettre, euh, tu peux mettre par exemple des. Euh, euh, J'ai perdu le nom. Euh. Bon, enfin, il y a plein de petits poissons à mettre dans un premier temps, sans aucun problème. Je suis déçu des cumers si Bah écoute, moi je les ai pas testés. Hein, euh, tout le monde en fait des caisses là-dessus. Euh, moi je les connais pas. Moi j'avais vu en avant-première à Animal Expo. Euh, ils avaient l'air pas mal. Maintenant je les ai pas vus en fonctionnement. Je sais pas réellement euh, leur euh, leur compétit, leur compét, leur compite, enfin leur efficacité euh, sur un bac récifal. Donc après, j'ai du mal à te à, à, à me positionner là-dessus. Moi j'aime bien parler des choses que je connais en tout cas que j'ai testé et euh, je n'ai pas testé l'écumeur Red donc je préfère pas en parler. Ouais, tu, tu lui passeras le bonjour en même temps à Guillaume, Luc. Tu diras, tu, tu passeras le bonjour de l'équipe des RMP. C'est le McDonald du récifal. Alors bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai une question. Mon bac tourne depuis un an, uniquement pierre vivante. J'ai ajouté il y a deux semaines une aquaroche et un voile marron apparaît dessus. C'est normal, c'est normal parce que comme chaque pierre que tu vas rajouter dans ton bac, il faut qu'elle se cycle, il faut qu'elle se cycle et donc il euh, n'y a, 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 a pas d'importance. Tu vas pas te taper de pic de nitrite ou quoi que ce soit, mais c'est normal. Moi, dans mon ancien bac, j'avais j'avais un beau décor machin. je me suis dit tiens je vais complémenter avec des pierres mortes j'ai eu une petite phase d'algues marron ça ne dure pas très longtemps les chirurgiens ou tes poissons vont venir les picorer et après tu n'auras plus rien ça là dessus c'est classique et normal, il n'y a pas de problème pour les petites algues sur ton aquaroche que tu viens de mettre sans aucun problème ça fait 9 mois que j'ai mon nouveau bac avec rien dedans à part de la roche et le sable et comment tu fais pour attendre 9 mois sans rien avoir c'est fort ça moi j'arrive pas. Hein. Ouah Céline, comment t'es en retard. Oh, oh Céline, je te parle même pas ce soir. Même pas, je te parle, Céline, ce soir. À tous ceux qui connaissent Céline, franchement. Elle est, elle est arrivée au bout de 77 minutes et 20 secondes. Céline. Je suis très déçu. Très très déçu. Surtout pour le live des, des 6000 membres à RMP et des 3000 abonnés de la chaîne YouTube. Je suis très très déçu, Céline. Alors pour vous refaire un peu le. Pour vous refaire un peu le. J'ai une bête, je sais pas c'est quoi. Pour vous refaire un peu l'historique de Céline, Céline elle fait son osmosée en faisant bouillir son eau. Ouais c'est elle. C'est ça. C'est elle, c'est Céline. <laughs> Céline, elle va commencer à mettre ses pouces bleus, ses pouces comme ça. <laughs> non mais franchement. Céline, donc elle fait son osmosé avec... en faisant bouillir son eau. Eh oui Oui, exactement, ce sont des petits copépodes. C'est la reine de la bouilloire, Céline. Ah ouais, Céline, c'est chaud. Hein. Je dois, transférer, alors je dois transférer prochainement un 130 litres pour un 720 litres. Tu me conseilles de procéder comment pour les poissons Alors, monsieur Tarmial. Alors, je vais t'expliquer un peu. Moi, je l'ai fait. On, on y reviendra tout à l'heure, Céline. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu as intérêt de t'en rattraper. Donc, euh, pour en, alors comment, je procède, comment tu procèdes Pour les poissons, il euh, n'y a pas forcément de contre-indication. Euh, quand tu vas changer ton décor, enfin quand tu vas changer ton bac, déjà, pense à. à, à tu, tu retires que 100 litres, hein, tu gardes que 100 litres les 30 litres du fond, déjà tu les vires, parce que ça va être plein de merde, plein de. Ne, ne garde pas le fond de ton bac, c'est pas bon. Après, euh, comment tu procèdes Eh ben, euh, il va falloir que. Euh, que, tu, euh, que tu réfléchisses bien comment transférer ton bac. Prépare bien à l'avance euh, tout ton, ton processus de transfert. Euh, les poissons, ce n'est pas du tout le plus, hein, le, le plus compliqué. Hein. Euh, tu, tu les laisses dans... Euh, tu vas transférer ton eau dans un, petit, dans un truc de 100 litres, hein, que tu chauffes, que tu, euh, que tu brasses, que tout ça. Et tu mets tes petits poissons dedans, au même petit que tu mets tes coraux si tu en as. Et euh, comme ça, ça te permet de commencer à travailler sur ton nouveau bac. Une fois que ton bac, tu as commencé à mettre euh, ton eau, euh, qui va te servir donc à, hein, à faire ton nouveau bac de 720 litres. Tu mets ton eau, tu commences à mettre tes pierres. Attention au cyclage. Parce que si tu, si, si tu, moi, je te conseillerais, si tu, parce que tu vas forcément devoir remettre des pierres, tu, là, tu vas atteindre à peu près 70 kg de pierres, je te conseille de les faire cycler à l'avance, si tu connais bien ton revendeur, de les faire cycler à l'avance. C'est-à-dire que tu dis à ton revendeur de de les laisser dans, dans leur bac de présentation ou quoi, à un certain moment, pour qu'elles passent leur pile de nitrite. Parce que si tu. Mais euh, directement, tes pierres neuves, puis tes poissons, puis ton machin, puis ton truc, tu vas forcément taper un, pack un pic de nitrite parce que là, tu as beaucoup de pierres à rajouter. Là, tu passes de 120 à 720. Donc, c'est énorme en fait. Le transfert, il est assez gros. Donc, euh, donc attention, euh, si tu as la possibilité euh, de, de, de faire un petit, euh, ce qu'on appelle un petit bac hôpital en attendant, parce que si tu n'arrives pas à cycler tes pierres avant, attention au pic de nitrite. Le pic de nitrite, ça va te faire tout mourir. En tout cas, tes poissons et tout. Donc, euh... donc ça, faut faire attention. C'est, c'est c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Oui et non, c'est pas compliqué, mais il faut que tu fasses vraiment attention à la façon dont tu prépares ton projet de transfert. Il faut que tu réfléchis bien, tu vois, tu vois, comment tu peux le préparer. Et euh... faut faire attention, quoi, parce que comme dit, comme tu as 600 litres d'écart. Euh, faut vraiment. Faire attention à ne pas taper un pic de nitrite. Donc attention à ça. C'est ce que je pourrais vraiment te conseiller c'est de faire attention à bien réfléchir à ton transfert. Soit de faire un bac sur le côté en disant Bon, je vais faire ça, ça, ça en attendant. Si, toi, tu, si tu dois refaire un cycle complet parce que tu pars dans un très très gros volume, euh, fais-toi un bac à côté, laisse-le tourner. Si tu as la possibilité de le laisser tourner, fais-le tourner. Fais, fais, laisse tourner ton ancien bac, mais le l'autre à côté, tu repars sur un cyclage. Et tu, mets, tu mettras tes quelques pierres de ton 120 litres dedans, ça se verra même pas. Mais euh, si tu dois refaire un cyclage, attention, respecte bien ton cycle, attends que ton pic de nitrite y passe, et là tu pourras commencer après à, à transférer tes poissons. J'ai transféré un 100 litres dans un 300 litres avec des pierres acclimatées et tout s'est bien passé. Perdu seulement un acropora trois jours après. Certains euh, car j'ai placé plus bas. Mais moi, moi disons, j'ai transféré un 300 dans un 720. Et j'ai pu le faire direct. Pourquoi Parce que j'ai pris euh, les pierres, je les avais fait chicle, cycler chez All Marine. Elles ont cyclé pendant un bon moment. Après, moi j'avais fait un bac... Quoi. enfin j'avais. En plus, il est à la même place. Donc moi j'ai fait attention. J'ai pris comme une bassine à carpe là, que j'ai mis dans mon salon. J'ai transféré tout mon bac dans, mon, dans mon, ma petite bassine à carpe. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis chauffage, écumeur, brassage dedans. J'ai laissé tourner, j'ai démonté l'ancien bac, j'ai un autre bac au bureau, j'ai pris de l'eau de l'ancien bac du bureau, j'ai fait un changement d'eau, j'ai ramené l'eau pour mettre dans mon nouveau bac. Après, j'ai retransféré l'eau de l'ancien bac dans le nouveau bac, j'ai remis, les pierres étaient cyclées chez Old Marine, j'ai ramené mes pierres et j'ai fait mon truc. Et, et j'ai blindé un peu de bactéries pour, un éventuel, pour une éventuelle petite montée de nitrite, j'ai mis un peu de bactéries et hop, j'ai pas eu de soucis. Mais euh, c'est des manœuvres qui sont intéressantes à faire, hein, mais euh, pas forcément compliquées. Il faut juste bien y réfléchir et bien euh, structurer ton transfert. Si tu structures bien ton transfert, tu n'auras pas de problème. Si tu fais ça un peu rapidement, si tu, te... tu peux avoir des surprises. Tu peux avoir des surprises. <laughs> Julien, Julien. Je m'appelle Alizé, j'ai gagné quoi. Un mordeur, Julien. Et comme dit Alizé, une très bonne organisation. Il faut bien s'organiser. Moi, je... Moi, le transfert, je l'ai fait sur un week-end entier. Donc, euh... Donc voilà. Donc je vous rappelle quelques petites informations. Là, j'aimerais bien qu'on passe les 100 pouces il en reste 4. Donc pendant que je fais les informations. Je vous laisse mettre vos petits pouces bleus à ceux qui ne l'ont pas encore mis. Alors, les petites informations suivantes. à savoir que dans... Prenez un petit stylo si vous avez envie. Je vais vous donner quelques codes promo, quelques tout ça. Alors que vous pouvez faire si vous avez du matos à acheter, si vous avez des trucs comme ça, je vais vous fournir quelques petites informations. Si vous voulez acheter du matos, si vous voulez acheter des pompes de brassage, machin, tout ça, vous avez le site Dépôt qui vous offre une remise de 6,5%. Bah, sur une grosse somme, ça fait... ça, ça vous paye autre chose. Ça vous paye du sel ça vous paye du sable ça vous paye autre chose donc vous pouvez avoir 6,5 dans le magasin rive dépôt donc rive et vous avez pour ça le code promo passion pa2 sion -S 06 avec le code promo passion 06 vous avez 6,5 de remise sur tous vos achats euh, de la boutique en ligne rive dépôt pour ce qui est euh, de la promotion d'AfBio en cours donc on fait une promotion fin on fait le groupe RMP fait une promotion euh, en tout cas Benoît nous a fourni un code promo euh, pour, euh, pour tous les produits d'avion pour toute la gamme d'AfBio donc pour toute la gamme d'AfBio vous avez 10% de remise sur tout et euh, salut euh, récif captif et donc euh, vous avez euh, 10% sur toute sa boutique et pour ça, vous avez le code promo ARMP10. ARMP10. Et là, avec ARMP10, vous avez 10% sur toute la globalité de votre panier. Donc euh, n'hésitez pas, c'est jusqu'à dimanche soir, 10% sur toute la boutique d'Afbio avec le code promo ARMP10. D'accord Et en plus de ça, en plus des 10%, si euh, dans la partie commentaire de votre commande, vous mettez ARMP, vous avez, si vous avez une commande en dessous de 50 euros, une fiole de 60 ml offerte. Si votre commande est au-dessus de euh, 50 euros, vous avez deux fioles de 60 ml de votre choix offertes. Voilà. Pour ce qui est de Monsieur Récif Captif, donc Monsieur Récif Captif, vous avez, euh, vous avez un coaching qui a été gagné. Donc c'est Alizé VDK. Donc Monsieur Récif Captif, regarde le live. Donc merci à lui de nous avoir proposé un mois de coaching gratuit et c'est Alizé VDK qui l'a gagné. Donc euh, Hervé, euh, tu, voilà, tu, tu peux noter hein, Alizé VDK, c'est elle qui a gagné ton coaching gratuit pendant un mois. Donc merci encore à, à Hervé de la chaîne Récif Captif de nous avoir proposé son petit coaching pendant un mois. Vous allez voir, hein, est, il est plutôt... Euh, il a des explications plutôt simples, c'est plutôt ludique, comment il explique les choses, c'est assez simple. Donc vous allez voir, vous pouvez aussi aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube, hein. moi ça ne me pose aucun problème, monsieur Récif Captif, vous pouvez aller le consulter avec plaisir. Donc euh, il nous reste à faire gagner le petit euh, VCA de la marque Red offert par, euh, offert par euh, Rive Dépôt, donc on va le faire gagner bientôt, hein. et ça je le ferai gagner au plus gentil de ce soir qui va être le plus gentil de ce soir. <laughs> Donc le VCA de la marque Redsi. Donc ça va être à gagner à partir de maintenant. On va voir comment ça va se passer. Je l'offrirai dans peu de temps. Non, j'ai pas de J'ai pas de réduction à quoi solution. J'ai pas de réduction. Mais euh, les éclairages, je pense que Rive Dépôt peut les avoir. Donc renseigne-toi avec lui. Tu lui envoies un petit message et peut-être qu'il pourra te faire une bonne remise. Le VCA, c'est une, euh, si tu veux, c'est comme une petite buse de sortie de, de remontée. Euh, c'est une, euh, en fait, c'est une buse orientable qui te permet d'orienter ton flux de sortie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis bien rasé. Ça, qui est bon. C'est de la marque Retzi. Ah, François. VCA, c'est la marque Peut-être. En même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On est là. Hein. C'est avant tout un live question-réponse, hein, les amis. C'est un live question-réponse. nous expliquer comment combattre la dino. J'en ai jamais eu de dino alors euh, j'aurais du mal à te dire si Hervé tu sais comment combattre la dino, bah écoute euh, il pourra nous le dire Nala va très bien ton petit ton petit koala. D'ailleurs t'as vu Céline le message que j'ai mis sur Toupette. <laughs> j'ai jamais de demande de solitude moi, jamais. Il y en a qui ont des moments de solitude, des fois. Moi, je n'en ai jamais. Toujours vivant, toujours debout, mon gars. Fauna marin d'inox. Fauna marin d'inox euh, pour combattre la dino. Voilà. Moi, j'en ai jamais eu, alors je, je. Voilà. Le charbon en passif, bon ou pas Moi, j'ai toujours mis en passif, dans, euh, si tu veux. Euh, tu peux le mettre euh, soit dans ta partie remontée, euh, un, un endroit où tu as un, un fort passage d'eau. Tu vois, si tu as un fort passage d'eau, ça te permet de pouvoir... Euh, de, en fait, plus ton eau passe au, 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 à travers ton charbon, et plus ça va traiter en fait, bah, ce que tu veux retirer de ton eau. Maintenant, attention, le, le charbon, c'est curatif, donc tu ne le laisses pas tout le temps. Il faut le laisser sur une période de temps. Il euh, ne faut pas non plus que ça retire... Le charbon, après, il peut retirer un peu tout et n'importe quoi. Donc, euh, mets-le par traitement, mais ne le, le laisse pas toujours, toujours, toujours en place. Hein. C'est bien de... Euh c'est bien de, de, de pouvoir euh, faire par intermittence. Voilà. D'ailleurs, je vais, je vais on va faire un truc aussi avec, avec Alex. On va faire un live sur les changements d'eau. Donc euh, ça sera sûrement euh, mardi en 8. Mardi en 8, on va faire un live. Donc euh, Alex va faire un changement d'eau euh, en direct. Moi, je serai en live avec lui et si vous avez des questions à poser pendant un changement d'eau, comment faire un changement d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Euh, si vous avez, pour tout ça, c'est plutôt euh, lié, euh, enfin, pour les, pour les débutants. Si vous avez des questions sur un changement d'eau, eh bien, on va faire un live sur comment faire un changement d'eau et puis donc il fera son changement d'eau. Moi, je, si vous avez des questions, je lui poserai en direct et donc comme ça, on va, on va interagir sur euh, comment faire un changement d'eau. Ça paraît simple comme ça ou classique, mais en tout cas, ça permet de. S'il y a des gens qui se posent des questions, on essaiera d'y répondre. Le prochain apéro All Marine, ça va être bientôt. Je suis en train de voir. Mais on en a proposé aussi un hein, chez... Euh... Enfin, j'ai eu pas mal de propositions pour des apéros euh, bientôt. Alors pour la dino, il faut surveiller aussi la silicate, effectivement. Alors encore une fois. Euh, encore une fois les amis, quand vous, quand vous faites, euh, n'oubliez pas, moi, je vais en reparler, je vais en reparler, je vais en reparler, mais quand vous faites votre eau osmosée, faites attention de ne pas, enfin moi je conseille, mon petit niveau euh, médiocre, je conseille de ne pas la prendre en animalerie, faites votre eau osmosée. Au moins vous pouvez, la vous pouvez contrôler la qualité de ce que vous mettez dans votre bac. Vous mettez de l'eau tous les jours. Dès qu'il y a une évaporation dans votre bac, vous mettez de l'eau Donc, si vous mettez de l'eau osmosée, tous les jours, tout le temps, faites attention à vraiment avoir une bonne qualité d'eau osmosée. C est, c est, c est, pour, pour moi, c'est la base du récifal. Quoi. Si vous avez une mauvaise eau, vous avez un mauvais bac. Si vous avez de la bonne eau osmosée, vous, avez un, vous pourrez avoir, en tout cas sur du long terme, un facteur qui, qui est enlevé, c'est-à-dire que l'eau osmosée est bonne. Ça ne vient pas de ce problème-là. Euh, ça peut amener des silicates, des phosphates, des nitrates. Attention à tout ça, faites attention à des métaux lourds. Donc contrôlez votre eau osmosée, prenez un TDS mètre, faites vous un petit test ICP tous les trois à 6 mois. Vous contrôlez votre eau, vous voyez ce qu'il y a dedans. Est ce qu'il faut changer la résine Est ce qu'il faut changer les membranes Est ce qu'il faut changer euh, les filtres Attention à ça. Ça peut, ça, ça peut être des facteurs de problèmes dans votre bac. Si vous n'avez pas une bonne eau osmosée, vous pourrez avoir des problèmes sur du long terme. Attention à ça. Moi, en eau osmosée, je sors à 0 ppm. Si ça passe à 1, je change la résine quand ma membrane sort à plus de 5, je change la membrane. J'ai un TDS -mètre qui, se, qui contrôle ma sortie de membrane et, un, et une sonde qui contrôle ma sortie d'osmosée. Comme ça, euh, bah, tout cas, je te réponds euh, mystéré, là, mistré, mis, mystère, mystères. Euh, où placer euh, le capteur entrée du TDS mètre Moi, j'ai deux capteurs. D'ailleurs, il y, y a le lien dans la description de la vidéo. Là, si vous voulez un TDS-mètre super fiable, dans le lien de la description de la vidéo, il y a le TDS-mètre que j'utilise. Et en fait, vous avez la possibilité de contrôler à la fois la qualité de votre membrane et la qualité de votre sortie de résine. Si vous sortez à plus que zéro, vous changez votre résine. Moi, j'utilise de la résine MB20 de chez euh, Aquafer. Elle est top. Franchement, M Sorino à zéro, j'ai contrôlé, contrôlé en test ICP-ATI, mon osmosé était parfaite. Donc euh, une bonne membrane, une bonne résine. La changer dès que vous êtes au-dessus de 1, même au-dessus de zéro, quand vous passez le zéro à 1, vous changez la résine. C'est pour moi, c'est la base. C'est la base. L'eau, l'eau que vous, vous mettez dans votre bac tous les jours en évaporation, c'est la base. Si vous n'avez pas cette base-là, si vous voulez l'acheter chez euh, Tartampion, vous ne connaissez pas la qualité de son eau. Vous ne savez pas si elle est bonne, comment il la fabrique, si elle est de bonne qualité ou pas. Vous ne savez rien. Ils peuvent vous dire oui, oui, on la contrôle, regardez, on a les résultats. C'est du vent, ça. Vous ne savez pas ce qu'ils vous fournissent. Moi, moi, quand je fais mon osmosée, j'ai les résultats sous les yeux. Je sais que mon eau, elle sort à zéro. Ils ne me racontent pas de la flûte à bec en me disant pou. pou, pou euh, ouais, c'est Non. Faites votre eau osmosée et faites-la de façon euh, à la contrôler. Voilà, c'est le principal. Regardez la vidéo que j'ai faite sur comment faire son osmoseur. C'est super simple. Un bon osmoseur, une bonne résine, et c'est réglé. Et vous êtes sûr que vous avez une bonne eau osmosée Voilà. Alors, nourrir des artémias vivants, y a-t-il une quantité limitée Bah non. Du... Alors, encore une fois, pour de la nourriture, euh, c'est. Euh... Ah non, nous ne en... <laughs> non, c'est pas engueulé. Euh... <laughs> non, je t'ai pas engueulé, euh... Bouba. Mais euh... non, mais c'est important, c'est important. Euh, après, euh... les artémias vivants, c'est en fait les artémias vivants même que les artémias congelés, tant que ce que tu mets dans ton bac est consommé quasiment instantanément, ou en tout cas il n'y a pas de, Et encore au pire ça fera de la microfoule les artémias, c'est pas, pas le problème. C'est plus de l'artémia mort ou, de, ou, ou des paillettes ou si vous mettez des granulés, il faut en général que euh, l'alimentation soit, euh, soit mangée assez rapidement encore une fois pourquoi pour ne pas générer de nitrate, phosphate euh, voilà après si, 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 si ça si si si, si 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 des poissons ou, ou euh, les ophiures ou, ou tous ces petits trucs là mangent tout, tout ce que vous mettez assez rapidement, vous ne risquez pas de polluer votre bac, encore une fois attention à l'alimentation que vous mettez je sais que par exemple le marine, je sais pas quoi là, euh, je sais plus c'est quoi la marque c'est bourré de phosphate ça c'est de la merde, c'est bourré de phosphate Attention à ce que vous mettez comme, euh, comme nourriture. Moi, j'en ai, ai mis une là. Euh, attendez, comment elle s'appelle euh, J'avais mis dans les commentaires de la vidéo. Euh, nourriture, nourriture. Oh, je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon. De, je, je, je connais plus. Euh... Attendez, résine. Ouais, bon, je sais plus. Mais en tout cas, je, je pourrais vous le redire plus tard. C'est une marque que m'avait conseillé Human. Et euh, qui, lui, aime bien tout ce qui est test. Il contrôle bien la, la nourriture. Ça n'aime pas de phosphate, nitrate. Alors, euh, rincer la nourriture congelée. Alors, j'ai veux te dire, ça dépend de tes paramètres. Si tu es, si es, si es déjà très borderline en nitrate et phosphate, je te dirais, rince. Si tu es, euh, si es plutôt ligotrophe comme moi, tu balances direct. Ça te fera un peu de nutriments dans le bac. Euh. Moi, je rince pas. Tu vois, moi, je suis quasiment euh, en, en oligotrophie dans mon bac. Donc, je n'ai pas besoin de les rincer parce que. Euh, voilà, Par contre, si tu es assez haut en nutriments, si tu es assez haut en nitrate et en phosphate, là, je te conseille de les rincer, mon ami. Nourriture faite maison, c'est mieux. Exemple, mélange de crevettes, bananes, mix, je ne sais jamais fait. Je ne connais pas. Il euh, y en a qui le font probablement. Euh, si quelqu'un utilise de nourriture faite maison avec crevettes, bananes, et à y mixé, euh, est-ce qu'il y a un risque de PO4 euh, Moi, je sais pas, j'ai jamais fait. Densité 1020, ça craint, ouais. Ça craint parce que une densité correcte pour élever des coraux, c'est 1025. Et euh, si tu es cité dans, dans du LPS, plutôt 1026. 35, euh, faut que tu faut que aies une mesure de densité, enfin une, une densité mesurée à 35 grammes au litre. 35 grammes au litre, c'est parfait pour élever du SPS. Comme rhum pas cher pour un. Mais ça veut rien dire ça ne pas cher euh, euh, Jamal. Ça ne veut rien dire. Rampe pas cher, euh, t'en trouves partout. Enfin, t'en trouves sur Wish à, à, à 20 balles. Ça ne veut rien dire, rampe pas cher. Ça dépend ce que tu as comme projet. Euh, rampe pas cher, ça ne veut, veut pas dire grand chose. Euh, regarde, tu verras dans le descriptif. J'ai mis une petite rampe euh, qui, avec Wi-Fi qui coûte, euh, je dirais, je sais pas, je crois, 120 euros euh, dans le descriptif de la vidéo, tu verras. Euh, J'ai mis ça et tu peux. Euh, je sais que um, Toupette l'a mis sur son bac de présentation. Ça fonctionne plutôt bien. Et des, je trouve que c'est pas cher déjà 120 euros une rampe pour un bac récifal. Euh, ça reste super abordable quoi. Ça reste super abordable. Salut Damien. À très bientôt Damien. RMP. Que penses-tu des rampes Maxpex Razor euh, Jamais utilisées. Donc euh, pas d'avis. J'aime bien parler de ce que je connais. Hein. Je connais pas. Euh... Je ne connais pas. Allez, maintenant, on va faire gagner le, on va faire gagner le, le VCA Red C. Donc, vous mettez, euh, vous mettez, euh, vous mettez euh, VCA en commentaire VCA. Et on va pouvoir. Je vais faire gagner le VCA orientable d'une valeur de 55 euros. Offert par Rive Dépôt. Bien sûr, ça s'adapte au bac Red Faites-moi rêver, les amis, faites-moi rêver, là, un peu, là. VCA orientable. Non, vous êtes un paquet à avoir des redsies, hein. Vache. Bien sûr, ceux qu'on gagné déjà ce soir ne pourront pas regagner derrière. Bien sûr, évidemment. Merci Nico W pour ton super chat, ça me fait plaisir, tu déchires. demander à Alex de choisir. Alex, si c'était toujours là tu choisis le gagnant. Alex, c'était si là fais-moi coucou. Je te laisse choisir le gagnant du VCA. Alex, je te laisse sa responsabilité. Libre choix. Merci encore à tous pour vos super chats, ça me fait super plaisir. Franchement, ça me touche beaucoup. Ça nous motive à faire encore plus. Plus d'aliser. Sans influencés euh, sont influencés euh. Morgan Perrin Alex a choisi Morgan Perrin Pour une fois que ça ne pas faire la gueule Morgan Perrin tu gagnes le VCA Morgan, c'est Non, je crois que c'est un garçon. Hein. C'est pas une fille, Morgane, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas vu de. <laughs> j'ai mal au pouce. <laughs> non mais je pense qu'on va refaire souvent ce petit, euh, ce petit truc de concours comme ça, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Ces petit truc, c'est des... C'est cadeaux sympas. Et vous savez quoi les amis Vous savez quoi Comme vous êtes super chauds. Comme vous êtes super chaud. Eh ben... Euh... Attendez, je réfléchis à un truc. Je réfléchis à un truc. Euh, je voulais savoir, je voulais savoir. Nico W, Nico W, euh, tu es d'où, Nico W Dis-moi d'où tu es. Je, je réfléchis. Ah, tu vois, Morgane Donc, Morgane, hein, tu me contactes en message privé. Hein. Après le live, vous me contactez en message privé sur Facebook, tous les gagnants. Le Kitsiano est déjà gagné, Julien. Le Kitsiano il a été gagné par... Euh, le Kitsiano par euh, Alizé Guino. 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 Il est... Ah ouais, Saint-Étienne. Ouais alors ça marche bien en fait Céline, ton produit d'Avbio. Je sais plus ce que t'avais gagné comme... Je sais plus ce que avais gagné Céline mais... Alors, euh, je, vais, je, vais fait, je vais essayer de faire deux trucs. Je vais essayer de faire deux trucs. Euh, euh, Alex, il est d'accord. Je ne sais pas si Alex, il a, il a du temps ou pas. Euh, si Alex, il est d'accord, il, euh, il, il peut faire une petite session de coaching euh, tranquille. Si Alex, il est d'accord, on peut offrir une session de coaching avec Alex. Et... Euh, et je vais en faire un aussi avec... Je vais en faire un deuxième avec moi. J'ai déjà Andrea, Andrea que, je vais, euh, que je vais coacher. Et... Euh, et voilà. Et je vais essayer aussi je vais essayer aussi de faire gagner un autre... Euh, un autre pack d'Avbio. Il faut que <laughs> je négocie avec lui demain, c'est pas gagné. <laughs> je, je, bon, je vais essayer de voir. Bon, je... Je, 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 je m'engage à négocier. Je m'engage à négocier. Je vais essayer. Donc, on va essayer de remettre. Alors, attendez, je vais, je vais, je vais reprendre mon petit papier aussi, petite, petite connerie à écrire. Je vais, je vais tout réécrire déjà. Alors, Morgane, Alors, comme ça, en même temps, vous, vous, vous notez bien les gagnants et vous me contactez en message privé. Hein. Donc, euh, Morgane, Morgane Perrin, le VCA. Après, nous avons Alizé, Alizée Guyot, Guino, Paxiano, donc il a gagné un Paxiano. Après, nous avons Alizé VDK. Alizé VDK qui a gagné un coaching avec Monsieur Récif Captif. coaching monsieur récif après ok alex je sais pas s'il m'a répondu alex allez je suis partant voilà vous avez alors déjà on a alex qui va faire un coaching ça c'est cool merci alex et euh... Andrea. Andrea, un coaching avec moi. J'ai oublié personne, je crois. Alors, euh, il y a Morgane, Alizet, Alizée, Andrea et Alex. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc coaching avec Alex. Alors un petit coaching avec Alex. Et je vous ferai gagner un... Je vais remettre en jeu un, un kit de réimplantation, les amis. Je m'engage, je vais me démerder. Un kit de réimplantation d'AfBio. Bon, dé... bon, je vais essayer de me débrouiller, hein. voilà, on va voir. Alors, ça sera au choix. Ça sera au choix. Soit un kit ciano, soit un kit de réimplantation. Au choix, au choix, ok, ça sera au choix. C'est mon soir, c'est le grand soir. Alors on va commencer par le coaching. Alex, vous mettez Alex en commentaire, les amis. Vous mettez Alex en commentaire pour un coaching avec Alex. Ok, Alex, j'ai eu ton message. Ok. Ouais, improvisation totale, c'est clair. <laughs> oh, il est mignon, monsieur le Captif, il veut gagner un coaching avec Alex. <laughs> Allez. Allez, faites-le rêver, ce petit Alex. Il est gentil, Alex. Alors, Alex aimerait bien quelqu'un qui n'a pas encore de bac pour faire un coaching complet. Quelqu'un qui n'a pas encore de bac. n'a pas encore de bac j'ai une bonne nouvelle les amis je vous le dirai après Non, ça compte pas. Ça, ça compte, bien sûr, Céline, ça compte, t'inquiète. Alors, euh, qui je vais choisir non mais, non, mais attendez, attendez. Alors, je vais... Ça y est, j'ai trouvé. Le gagnant est monsieur Holmarine. Holmarine, vous avez gagné un coaching avec Alex Tous. <laughs> D'accord Ok, ok, Fabrice. T'as gagné un coaching, t'es content ou pas <laughs> Oh je te jure. Bon allez. Ok, je sors. Olmarine est toujours là, Olmarine. D'ailleurs, Fabrice pourrait... D'ailleurs, Fabrice, si es d'accord, tu pourrais offrir aussi un coaching. Tu vois, si t'étais si bonjour Fabrice, tu dirais Ouais, j'offre un coaching ce soir, offert par All Marine. Là, tu serais... Là, tu aurais... Tu aurais tu vois, allez donc le gagnant pour le coaching avec Alex. Et je reviendrai sur. Je vais travailler hors hein, après. Je vais le travailler euh, au corps. Alors, le gagnant, ce sera ce sera ce sera ce sera Florian Martin. Florian Martin, il est où Florian, Florian Martin, coaching Alex. Florian. Martin. Donc, je t'invite directement à, à contacter Alex en privé et euh, tu pourras comme ça directement euh, voir avec lui. Non, mais Fabrice, c'est pas ça que je te demande. C'est d'offrir à un membre ARNP un coaching s'il y a des questions et tout. Tu, 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 tu le fais un coaching un peu personnalisé. Euh, je te demande pas d'y passer toutes les soirées, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Mais un petit coaching personnalisé. Euh... Tu, si tu veux une fille, on peut faire que les filles, Fabrice, c'est pas de problème. Hein. Si tu veux une membre, il euh, y a déjà deux AIZ qui ont gagné. Euh... Ok, donc donc toutes les filles tout, toutes les filles qui veulent être coachées par Hall donc Fabrice Sortin vous mettez Hall Marine en commentaire tout de suite. Il est sexiste, il a le droit, c'est son choix, il, il a le droit, c'est son choix. Vous mettez Hall Marine en commentaire tout de suite. Bah, je vois pas qu'ils être à part toi, Fabrice. Y'a que toi qui dirais euh, Je veux une fille. <laughs> ouais, Noisette. Non, je, 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 je savais très bien que c'était toi, Noisette. Quand tu m'as dit, moi, quand tu as dit au marine, je savais que c'était toi, Noisette. Allez, on va choisir, on va choisir, on va choisir, on va choisir. Allez, c'est Roxane Rivière qui gagne. Roxane Rivière. Coaching All Marine, quelle chance se faire coaché par Fabrice Hortin. Ou pas de chance. Allez les amis, on va remettre un petit kit de réimplantation de microphone. Un petit kit de réimplantation de microphone ouvert à tout le monde. Filles, garçons, trans, gays, pas de problème. Ou blaise bien sûr. Fabrice ou blaise, pas de problème. Bravo Roxane, donc tu connais Fabrice, hein, je te laisse le contacter en message privé. Grave la classe, je me déplace même. Ouais, bah ben, voilà. Non, mais ça prouve aussi que voilà, euh, les mecs, euh, voilà, un magasin qui se mouille, qui est là pour, pour le conseil. Euh, que dire de plus Que dire de plus Voilà. Hein. Il n'y a rien à ajouter. All Marine The Best. Et maintenant, on va offrir un kit de réimplantation de microphone, ensemencement, kit de... Dé en fait, kit de démarrage ou kit de réimplantation, c'est les mêmes. Donc, euh, c'est ouvert. La porte est ouverte pour un kit de réensemencement ou de démarrage offert par DAF Bio. Et je le... Fabrice, va te coucher il est tard. Vous êtes chaud, hein Qui sera gentil Soyez gentil. Qui sera gentil Qui oh, 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 oh. oh, 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 d'une valeur d'environ euh, 80 euros. Le kit de réimplantation de microphone offert par DafBio. Salut Fabrice, je t'appelle demain. Nous vous rappelons qu'il y a une promo actuellement sur le, le, le site DafBio. Donc 10% de remise avec le code ARNP10. Vous avez une remise de 10%, bien sûr. Ah, c'est au choix, hein, c'est au choix. Kit de réimplantation ou cyano, bien sûr. Au choix. Il y en a qui vont même jusqu'à mettre à l'EPSG quoi. Vous êtes forts les gars. Vous n'êtes pas très convaincant. Tant de pression, de pression, Anthony Bardouille. Anthony Bardouille parce qu'il a mis pour les 3000 cas youtubeurs. Voilà, Anthony Bardouille. Anthony Bardouille, tu gagnes le kit de réimportation de microphone. Anthony Bardouille. Parce que je suis un ouf, et parce que je suis un ouf, et parce que je suis un ouf, au prochain Super Chat, j'offre un kit pareil. J'offre soit un kit cyano, soit un kit de réimplantation. Au prochain Super Chat, j'offre l'un ou l'autre. A vous de jouer. Et ouais, je suis vénal, et alors C'est comme ça que ça se passe. Au choix. Kit de réimplantation, Nico W, tu gagnes. Nico W, tu gagnes ce que tu veux. Nico W. Ce que tu préfères, tu le mérites, Nico. Tu m en vas, tu en plus, tu m'as mis deux super chats. Tu le mérites, merci, Mika, aussi pour ton super chat. Ça me fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous avez tout, tous très, 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 très généreux. Attends. Euh Ah, ça fait plaisir les amis. Donc, en tout cas, voilà, hein, c'était un petit live... Euh... <laughs> c'est clair. Bah, 2,29€ pour, euh, pour un kit à euros, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas, pas mal. Après on va dire, ouais, vous avez vu, Arnaud, il fait demander de l'argent pour faire gagner des cadeaux. Fuck. Ah, un coaching avec moi, ouais. Si vous voulez, ok. Je remets en jeu un coaching avec moi. C'est vrai que j'avais oublié ça. J'avais oublié. Je remets en jeu un coaching avec moi. Ça marche, euh, ouais. Ok, c'est parti. C'est parti. Un petit coaching avec moi, avec plaisir, les gars. Avec plaisir, on va remettre un petit, un petit coaching avec me. Mais ça change un peu des trucs, euh, ça change un peu des trucs du genre, euh, ouais on tire au sort, euh, oui la plus belle photo, euh, oui, euh, ça change un peu, tu vois, on fait un petit truc comme ça en live, euh, ouais c'est cool je trouve, ça change un peu des, euh, des trucs trop classiques, euh. voilà, hein, dommage que je ne suis pas venu super en retard, je regarderai, voilà. On à toi Céline, tu remets ça sur le tapis, honte à toi, bouh, honte à toi, c'est moche. Oui, c'est pour les débutants hein, le coaching, comme vous voulez. Euh... Encore une fois, selon mes disponibilités, je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser. Mika, Mika c'est pour toi. M-I-C-K-A for you. Mika. Mika, 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 M-I-C-K-A. M-I-C-K-A. C'est pour toi mon ami. Donc pareil, vous me contactez en message privé et compagnie et compagnie. Ok en tout cas, on va synthétiser un peu le live de ce soir. On va synthétiser. Comme je vois que vous étiez énormément à demander du DAF Bio, du DAF Bio, du DAF Bio. Vous voyez des kits, des machins. N'oubliez pas, 10% de remise sur tout le magasin DAF Bio avec le code promo ARMP10. ARMP10. Et vous avez 10% de remise sur toute la boutique DAF Bio. Vous avez aussi un code promo pour tout ce qui est matos. Donc pour tout ce qui est euh, rive, vous avez riffdepô.be, vous avez les codes promo Passion06. Avec le code promo Passion06, vous avez un code promo pour euh, vous avez un petit code promo. Et voilà, et voilà. Après, euh, merci aussi à Allmarine qui a offert un coaching. Merci à Monsieur euh, Récif Captif qui nous a offert un coaching. Et euh, merci à Davbio qui nous a offert pas mal, enfin qui nous a offert, il faut encore que j'en négocie, hein, qui nous a offert ce soir 3 euh, packs. Donc, euh, donc ça c'est cool. Donc euh, donc voilà, euh, encore merci parce qu'aujourd'hui, euh, si à RMP on est à ce niveau-là, c'est grâce à vous tous. Donc on est arrivé à 6000 sur le groupe, on est arrivé à 3000 sur la chaîne YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On va refaire souvent ce petit format de, de cadeau. Euh, C'est plutôt cool. Et, euh, et puis voilà, euh, merci encore à tous ceux qui m'ont fait des super chats ce soir. Merci infiniment. Euh, ça me touche vraiment. Euh, voilà, ça me fait plaisir. Ça, bah, on a beau dire ce qu'on veut, mais ouais, bah, ça motive hein, encore plus. N'oubliez hein. pas qu'on est tous des bénévoles. Nous sommes tous des bénévoles à gérer le groupe. Donc bah, quand on a un petit peu de retour, bah, ça fait plaisir. Ça va me permettre d'acheter euh, un peu plus de matos, d'éclairage, de choses comme ça pour contribuer à faire. Des, euh, des lives de meilleure qualité, à pouvoir encore investir sur la chaîne YouTube, à pouvoir investir sur le groupe ARMP, à pouvoir faire plein de choses différentes. Et, euh, et voilà, donc pour tout ça, c'est cool. Merci à tous. Euh, merci de nous suivre aussi nombreux. Merci à Alex qui a, avec moi, modéré le groupe. Merci à tous les admins, à tous les modérateurs, à tous ceux qui nous aident quotidiennement, à tous les professionnels qui nous font confiance, euh, que ce soit All Marine, Marine Home, Recifat Home. Rive Dépôt, Dave Bio, enfin tous et j'en oublie plein à tous les professionnels qui nous font confiance. Merci à tous euh, et puis voilà, on va se revoir très certainement bientôt. N'oubliez pas deux choses. Je fais un live avec Alex euh, dans une dizaine de jours sur les changements d'eau. On va faire un gros live avec Guillaume de Marine Home versus Fabrice Sortin. On va faire un gros live ensemble et puis euh, et puis voilà quoi. On essaye de faire euh, du mieux possible pour que voilà que la communauté récifale se passe le mieux possible. Voilà, on essaye de, de faire des nouvelles choses. Et tout ça pour une passion commune. Donc merci à tous d'avoir suivi ce petit live sur la chaîne ARMP. Et je vous dis à très bientôt.